Salut à tous, bienvenue sur le plateau de Gin Tonic, les Rangers, la Lazio, la Real Sociedad, Ferencváros, Bodo Klimt, l'Union Saint-Gilloise, Twente et Elfsborg. Voilà donc les adversaires de l'OGC Nice en Europa League. Et pour décrypter tout ça, eh bien, nous serons en compagnie de Leandra Iacono. Salut Leandra. Salut Mika, bonjour à tous. William Imbersey, salut Will. Salut Mika, salut à tous. L'homme à la chemise blanche, la camisa blanca. Et ouais, c'est un petit clin d'œil à Jean-Pierre Hivert. Antoine Delboulé, salut Antoine. Ouais, salut Mika, salut à tous. Notre invité cette semaine est un ancien aiglon qui a le gym dans la peau, mais surtout dans son cœur. Alexis Bozetti nous fait le plaisir d'être dans Gin Tonic. Salut Alexis. Salut, bonjour à tous. On est vraiment content de t'avoir avec nous, parce que ça fait longtemps qu'on essaye de t'inviter dans l'émission, parce que c'est vrai qu'un gin tonic sans Alexis Bozetti, bah, c'est plus la même histoire. Et enfin, on peut t'avoir et on est vraiment très heureux que tu sois avec nous. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons d'abord sur le nul des Rouges Édouard face à Toulouse, avec comme focus les débuts encourageants de Tanguy Ndombele. Nous vous donnerons les dernières infos également du mercato, hein, puisque c'est le dernier jour aujourd'hui, ce vendredi, avec cette question dont le pour-contre Youssouf Moukoko, Paris risqué, nous essaierons d'y répondre et puis nous évoquerons bien sûr le déplacement à Angers pour, on l'espère, les trois premiers points de Francaise et de ses hommes. Et enfin, d'émission Le Souviens-toi d'Antoine, Le Souviens-toi, donc consacré à notre invité Alexis Bozetti. Allez, on va démarrer tout cela avec un retour donc sur ce un but partout contre Toulouse, sur la pelouse ignoble de l'Allianz Riviera. Comme à Auxerre, oui, les Aiglons ont ouvert le score, ils se sont fait rejoindre, mais cette fois, ils n'ont pas perdu. Encore heureux. à l'image de la pelouse, on ne peut pas dire qu'on a vu un très grand match. Il y avait des choses positive par séquence du côté de l'OGC Nice, notamment ce début de deuxième mi-temps, un bon quart d'heure, 20 minutes, quelques occasions, un but, puis après coupure de courant collective, plus de jus, plus d'énergie, un apport du banc très très limité et un beau joueur en face, Gboho, qui a tout fait. Ah ouais, Gboho qui a été, c'était un beau joueur lui. Ouais. Et au final, et ben voilà, il délivre un beau caviar et ça fait un partout. Somme toute, finalement, assez logique sur la physionomie de la partie. Et c'est ce que l'on va constater avec les statistiques de cette rencontre entre Nice et Toulouse, assez équilibrée en tous les cas, au point de vue des frappes cadrées et même au niveau des frappes également. Alexis, toi, tu étais au stade, évidemment. Comment tu as vu cette équipe niçoise? Comment tu as senti ce match? Bah, encore avec pas mal d'absents. Mercato pas encore, loin d'être terminé. La semaine dernière. Donc ouais, une équipe assez embêtée un peu techniquement aussi par le terrain. Un but refusé en fin de première mi-temps, assez logique sur la faute de Melvin Barr. Mais voilà, comme il a dit, oui, il a une très bonne deuxième mi-temps avec des occasions, le but qui vient couronner. Mais derrière, ouais, compliqué physiquement, j'ai l'impression de garder le résultat et les trois points. Ouais, c'était difficile d'aller au-delà, Léandra, dans ce match-là, compte tenu de la forme physique des uns et des autres. Bah, Francaise, il a un petit peu nié ça en disant que c'était surtout peut-être une question d'euphorie après l'ouverture du score et puis après l'égalisation, justement des émotions négatives qui arrivent. Mais je pense que sur la physionomie du match, et ce qu'on avait vu aussi contre Auxerre, clairement, on sent qu'à un moment, il n'y avait plus de jus, plus de gaz. Il y a des joueurs qui sont encore pas totalement prêts physiquement. On en reparlera, Tanguy Ndombele, même s'il a fait un très bon match, mais il s'est éteint à un moment donné. Jonathan Clauss aussi, il a marqué, mais il est encore loin d'être à 100% de ses capacités. Donc on sent quand même qu'il y avait plus d'intensité, mais qu'ils n'ont pas réussi à la maintenir sur la durée. Antoine, un point pris sur les deux premiers matchs. Bon, c'est peut-être pas la feuille de route espérée par les Niçois dans ce début de saison. Ben non, mais voilà, ça prouve tout simplement qu'ils ne sont pas encore prêts, qu'il y a des absences, que le jeu n'est pas fluide, que Francaise essaye de mettre en place son jeu et que pour l'instant, bon, ben on n'est qu'à ses balbutiements. Klauss, lui, il connaît, comme nous l'a dit Leandra cette semaine, il connaît bien le système et les autres, il faut qu'ils s'habituent. Nice ne jouait pas du tout comme ça la saison dernière. Maintenant, le jeu est quand même plus direct. Voilà, il faut s'habituer, mais bon, je pense que avec le retour de certains joueurs
Et avec l'habitude, ça peut faire de belles choses quand même. Ouais, c'est ça, parce qu'on ne va pas se retrancher derrière des excuses des absents, mais quand même, avec Laborde qui est blessé 3 mois au tout dernier moment, avec Boga qui n'était pas là, Sanson également, Mofi, enfin ça fait beaucoup de titulaires en puissance. Will, pour cette équipe l'OGC Nice, dont les arrivées de Moukoko et d'Abdelmonem n'étaient pas encore effectives. Donc quand Nice va retrouver des forces vives, on peut espérer que ça soit beaucoup, beaucoup mieux quand même. Il y a de l'espoir, bien sûr, après à voir dans quel état ils reviennent. Il y a eu d'autres blessés de longue durée qui ne sont jamais revenus. Je pense à Sofiane Diop aussi. Des fois, attendre les blessés, ça n'amène à rien. Après, je pense que oui, ils ont manqué d'effectifs un peu plus étoffés. Ça se voit sur, en fait, entre le premier match et le deuxième, il y a très peu de changements. Ndombele qui n'est pas du tout prévu pour jouer 80 minutes à Auxerre et encore 70 dans la semaine suivante, mais ça se voit au final. Ça commence à faire des manques, des gars qui tirent la langue. Même Klos, finalement, entre Auxerre et Toulouse, je l'ai vu un peu émoussé. Et même s'il marque contre Toulouse, je trouve pas qu'il fasse un grand match. Donc voilà, oui, il manque du monde, mais ceux qui sont là ne sont pas non plus à 100%, mais à part un, Hicham Boudaoui. Voilà. L'aspect positif, Alexis, on l'a vu, c'est quand même ce but. Il est très beau. Non, c'est le but. Après, je voulais revenir aussi sur le système. C'est pas facile de passer à 3. C'est un système qui est très compliqué. À 3 derrière. Ouais, c'est un système qui est très compliqué à mettre en place. Mais une fois mis en place, il est très efficace. Donc, je vais donner aussi un peu de temps aussi au système à se mettre en place, à Francaise, aux joueurs qui sont assez jeunes, surtout ceux qui ont joué dernièrement, pour incorporer aussi ce système. Donc voilà, aussi il y a aussi ça à mettre sur la table. Mais oui, non, le but c'est une belle action, Klos qui se projette, c'est ce qu'on lui demande, c'est son rôle dans le 3-5-2. Donc non, ça c'est encourageant, mais voilà, il y a pas Boga, il y a pas Moukoko, il manque beaucoup de monde offensivement, Morgan Sanson au milieu, voilà, qui va aussi réguler l'équipe. Donc non, je suis excité de la saison quand même, avec Francaise, avec les recrues, avec l'équipe au complet. Je pense qu'il y a matière à faire cette année. Matière à faire des choses cette année aussi. Nous aussi, on a hâte et assez excité d'avoir cette équipe au complet. On l'a un petit peu évoqué déjà, Tanguy Ndombele, c'est notre focus de la semaine. Avec un joueur, on l'a dit, Leandra, qui monte un petit peu en puissance. Et ce qu'il nous montre pour l'instant, c'est peut-être un peu plus que ce que l'on espérait. Ah bah clairement, on l'a dit la semaine dernière déjà, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit à ce niveau-là contre Auxerre, encore moins là contre Toulouse, parce que franchement, on a vu que sur certains enchaînements, la manière dont il se sort un peu du pressing adverse, grâce à sa qualité technique, c'est quand même assez exceptionnel. Et au-delà de ça, même sur les courses parfois de repli, il a défendu, il a fait quand même le travail. Alors après, c'est sûr qu'il a marqué le pas à un moment donné, et c'est logique, mais vraiment, on sent que... Il est sur la bonne voie, et je pense que même le staff niçois est surpris. On est en train d'entrevoir, Antoine, ce qu'on avait aperçu beaucoup sur la longue durée, on va dire, du côté de Lyon et la première saison à Tottenham. C'est pour ça que ça a été un international à un moment, Tanguy Ndombele. On commence à l'apercevoir un tout petit peu à Nice, là. Bah oui, on commence à voir. Après, il n'a que 27 ans, je crois, c'est ça. Il a encore des qualités. Il a passé quoi, 2-3 saisons un peu dans l'anonymat, là, où apparemment il s'est un petit peu laissé aller à Naples, en Turquie. Mais c'est un joueur qui a des qualités, il ne disparaît pas comme ça. Florian Maurice l'avait annoncé quand il l'a recruté. Donc il a confiance en lui. Je pense que lui, il a confiance en Florian Maurice aussi. Donc voilà, ça peut, avec un peu plus de préparation, on peut retrouver le Tanguy Ndombele qui a été en équipe de France. Alexis, nous on n'est pas joueur évidemment, mais toi tu l'es. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que joueur? Qu'est-ce qu'on se disait en tant que joueur à propos de Tanguy Ndombele? Moi, c'était un très 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 bon joueur il y a quoi, 5-6 ans. Il a, comme l'a dit Antoine, il a un peu bon, a disparu. Il joue à Galatasaray quand même. Il jouait à Naples et à Galatasaray. Hein. Il n'était pas totalement disparu. Mais... titulaire. Mais il y a eu des images l'année dernière à Galatasaray qui auraient pu inquiéter. Le club l'a pris, lui fait confiance. J'ai l'impression qu'il est dans un bon environnement à Nice où voilà, il a perdu du poids de ce qu'on avait vu à Galatasaray. Là, il n'était pas prévu pour jouer
pour jouer les deux premiers matchs avec autant de temps de jeu, on va dire. Donc voilà, c'est encourageant. Après, techniquement, il perdra jamais sa qualité. Hein. C'est, pour moi, s'il arrive à revenir au top physiquement, on va être gâtés. Hein. On va vraiment être gâtés. Et tactiquement, Will, on l'a vu se positionner un peu plus derrière les attaquants en poste de numéro 10. C'est là aussi qu'il peut faire la différence. Ben, c'est là aussi où Francaise n'avait pas trop de choix, vu qu'à la gauche, il manquait vraiment un véritable choix pour lui. Il a préféré essayer Ndombele un peu en espèce de numéro 10 derrière eux, avec Boudaoui qui pouvait aussi compenser quand c'est dans les courses de repli et prendre sa place. Ouais, ça peut être intéressant. Moi, je temporise beaucoup parce que ça ne m'étonne pas qu'il ait encore techniquement du ballon. C'est un joueur, il pue le football, donc il n'y a pas de problème là-dessus techniquement. Après, là où il pêchait ces dernières saisons, c'est pas sur le technique, hein. C'est sur le physique, c'est sur l'enchaînement des matchs, c'est sur la régularité. Moi, c'est là que je l'attends et c'est pas après deux journées que je vais commencer à me dire qu'on va voir un bon ou pas Tanguy Ndombele. Moi, je regrette surtout qu'il ait eu autant de temps de jeu aussitôt. Ça peut-être un peu le gêner dans sa prise de rythme, quoi. Attention peut-être aussi au contre-coup, hein, comme ça, de l'enchaînement des matchs quand tu n'as pas joué depuis longtemps. Mais après ce match à Angers, il y aura une trêve internationale où il pourra encore travailler physiquement et pourra aussi peut-être se reposer s'il en a besoin. On va écouter justement Francaise, le coach de l'OGC Nice, à propos de Tanguy Ndombele devant la caméra de Philippe Bertin. Mais Tanguy, il est déjà un vrai bon niveau. On voit sur certains coups ce qu'il est capable de faire, quand il est capable aussi de se projeter, d'envoyer des courses avec ballon, sans ballon, de défendre. Voilà, ce qui est sûr, c'est que moi je suis content de sa progression depuis le début où il est avec nous et de ses premiers matchs. Voilà. Je n'avais pas forcément envisagé de le lancer aussitôt parce que je pensais qu'il y avait encore besoin, mais finalement, par obligation, il nous montre qu'il était prêt à commencer. Voilà, tout simplement. Il était prêt à commencer la saison et à prendre encore une part plus importante dans le jeu niçois. Voilà donc pour Francaise et Tanguy Ndombele. On espère évidemment que Tanguy va continuer sur cette voie-là lors des prochains matchs de l'OGC Nice. On va ouvrir une page Mercato. Alors, à l'heure où nous enregistrons cette émission, eh bien, le Mercato n'est pas terminé. Il nous reste encore 6-7 heures avant la clôture de ce Mercato. On va d'abord parler de ceux qui sont arrivés cette semaine, Youssoufa Moukoko et Mohamed Abdelmonem. Ils étaient prévus, hein, Léandra, c'était dans les tuyaux depuis un bout de temps déjà, surtout pour Abdelmonem, effectivement, qui avait des petits problèmes de visa. Tout s'est bien passé, ils sont à Nice et ils sont déjà à l'entraînement. C'est ça, ils se sont entraînés. Youssoufa Moukoko, on va dire qu'il est prêt physiquement, il a fait toute la prépa avec le Borussia. Pour Mohamed Abdelmonem, lui aussi est prêt parce qu'il était en pleine saison à Al Ahly. Il n'a pas joué depuis 2-3 semaines. Il s'entraînait en marge ou individuellement. Ouais, pour ne pas se blesser, pour ne pas... Voilà, exactement, ouais. Pour ne pas faire capoter le deal. En revanche, il aura peut-être besoin de plus de temps pour s'intégrer parce qu'il ne parle pas la langue. Là, aujourd'hui, Francaise nous a raconté qu'il avait une réunion avec lui pour justement évoquer le plan de jeu et ce qu'il attend de lui. Il le voit plutôt axial gauche ou axial droit, parce qu'il peut jouer à gauche, il est très polyvalent, il a les deux pieds, donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, Youssoufa Moukoko, moi je m'attends peut-être à le voir rapidement sur le terrain et dès ce week-end. Pour Abdelmonem, peut-être un peu plus longtemps. Ah, il sera dans le groupe. Mais... Ouais, il y a une petite anecdote pour Abdelmonem que tu peux raconter pour la traduction. Je sais pas si j'ai le droit de le raconter, mais ça sera pas faux. Non, a priori, voilà, ouais, ça sera sans doute Essane Abdelmalek, la joueuse de Nice Handball, qui fera peut-être la traduction de la conférence de présentation de Mohamed Abdelmonem. Ouais, ouais, donc ça, c'est un beau clin d'œil. Oui, c'était effectivement dans les tuyaux, on en parlait, et ça pourrait intervenir en début de semaine prochaine, ces présentations. Milieu de semaine prochaine, parce qu'on attendait de savoir si les joueurs étaient sélectionnés ou pas.
pas Moukoko et Abdelmonem s'ils étaient sélectionnés dans leurs sélections respectives, oui. C'est-à-dire l'Allemagne des moins de... Oui, mais après il est l'Allemagne même en Allemagne. Espoir, pour Moukoko, non après il est en Allemagne tout court. Non, en Allemagne tout court, ouais. Et Abdelmonem est justement... Bah, ça fait longtemps qu'il n'a pas été oui. en Allemagne. Ouais, ouais. Ouais. Mais bon, on attendait de savoir. Alexis, deux recrues à l'OGC Nice, enfin j'ai envie de te dire, parce qu'on les attendait depuis longtemps celle-là. Oui, après... pour moi, il n'y a pas de certitude sur les deux, même sur les trois, même avec Bambito. Comme je disais, la MLS, c'est pas la... C'est pas la, joué, c'est toi, pas la Ligue 1. Mmh. Moi, j'ai joué en deuxième div, mais c'est la même mentalité. Ça attaque beaucoup, c'est des défenseurs très, très offensifs. Parce que c'est des championnats sans descente. C'est des championnats sans descente, c'est des ligues fermées. Donc voilà, les clubs qui jouent le maintien, ça n'existe pas. Donc c'est très porté vers l'avant. Voilà, il a fait une petite erreur contre Toulouse en début de deuxième mi-temps qui aurait pu coûter très cher sur le contrôle raté. Mmh. Après, donc, la passe de Marcy n'était pas ouf. Non ouais, ouais, et la passe de Klose avant. Et la passe de Klose vers Marcy n'était pas ouf. Mais peut-être qu'un défenseur de Ligue 1 aurait mis une mine en touche. Lui, ouais. Il veut jouer parce que voilà, c'est sa mentalité. Mmh. Mais je pense que c'est aussi bien. Mais voilà, Abdelmonem, c'est pareil. Il joue à l'Ali, il est champion tous les ans. Ils ont 20 points d'avance. J'attends de le voir défendre sur des attaquants qui puissants, qui ont un niveau autre que l'Égypte. Mmh. Et pour Moukoko, voilà, il a 19 ans, il a été pas mal blessé, il s'est jamais imposé avec le Borussia Dortmund. Donc voilà, c'est pour moi, il n'y a pas de certitude sur les trois. Mais je suis quand même content de les voir là et c'est excitant aussi de découvrir des joueurs comme ça qui je pense qu'ils peuvent apporter. Après il faudra pas qu'il y ait trop de besoin d'adaptation un peu trop long quoi. Ouais, ça c'est le danger effectivement quand on vient de championnat un peu plus exotique. Antoine, Abdelmonem c'est une star en Égypte, faut voir comment ce qui s'est passé là depuis son arrivée à Nice, en tous les cas depuis son annonce de départ d'Al Ahly, ça sur les réseaux sociaux partout c'est phénoménal. Oui, après c'est un joueur qui est aussi international hein, depuis un petit moment. 25 sélections, je crois. Ouais. J'ai vu que tu avais bien travaillé oui, la prononciation d'Abdelmonem. Toi un peu moins, tu vois. T'as mieux fait de te taire. T'as les petits qui croyaient prendre, mon père Antoine. Non, mais c'est vrai que voilà, il y a Todibo qui est parti. Il faut un gars un peu costaud, Will, pour numériquement, en tous les cas, remplacer Jean-Claire Todibo qui, avec Dante, formait la paire. Là, ce que l'on comprend, c'est que Dante peut-être repasserait dans l'axe de la défense, dans cette défense à 3, je ne sais pas, avec, c'est ce que disait Leandra, avec s'il peut jouer des deux côtés, axe droit, axe gauche, où tu mets Dante, quoi. Derrière, tu le mets au milieu, normalement. Ce qui me rassure sur les deux, c'est qu'il y a Dante. Ouais, et que s'ils sont à l'écoute de Dante, ils vont apprendre très vite et ils vont gagner, eux vont gagner énormément de temps. Et nous aussi. Mmh. Donc, je suis très content qu'il y ait Dante pour épauler les deux parce qu'ils vont en avoir besoin, c'est obligatoire. C'est ce que disait Bombito d'ailleurs. Je regarde Dante, si je peux prendre 1% de ce qu'il peut me donner à chaque fois. Et on n'oublie pas Youssouf. Hein ? Et on n'oublie pas Youssouf. Et on n'oublie pas évidemment Youssouf Ndaye Chimier qui est rentré en cours de jeu face à Toulouse dimanche. Et c'est vrai que bon, bah. Il a fait ce qu'il a pu faire parce qu'il était pas, c'était peut-être pas prévu hein, qu'il rentre à ce moment-là. Ouais, après, Ndaye Chimier va jouer 6 plus derrière dans la défense. Ouais. Il préfère jouer derrière. Hein. Okay. Il veut jouer derrière. Moi, j'aimais bien, je l'aimais beaucoup en 6 l'année dernière. Mais là, dans le système avec seulement deux pivots, il préfère. La défensive, pour vous, tiens, ça serait quoi les trois là ? Dante dans l'axe, Abdelmonem à gauche et Youssouf à droite. Ça serait ça l'idée ? Ouais, si tout le monde est en, peut-être si tout plus Dante en forme. À gauche sur la relance. Youssouf dans l'axe. Youssouf ou Bambito dans l'axe parce qu'il va très très vite et je pense qu'il va rattraper les coups. Et Abdelmonem à droite hein, pour voir. Il va falloir qu'il joue. Hein. Pour moi, ce serait ça. Après, il faut voir avec les associations avec Francaise. Hein, il les voit toute la semaine. Il le sait mieux que moi, mais, Il aura mais pour moi, ça serait plutôt ça. Ouais, il va effectivement chercher la bonne formule. Francaise, donc ça, c'est les départs, les arrivées certaines du côté de l'OGC Nice. Et donc là, à quelques heures de la fin de ce mercato, et pendant qu'on enregistre cette émission,
On pouvait penser, il y a encore allez, 24 heures, que ça s'arrêterait là. Et pourtant, Léandra, on se dit que le départ de Jordan Lotomba, qui était quasiment à l'arrêt, pourrait revenir en force. Et du coup pourrait intervenir deux joueurs à Nice. Bah, c'est clairement ce dossier-là qui conditionnait les arrivées des autres, parce que Nice a besoin de liquidités. Ils espéraient au moins 5 millions pour Lotomba. Ils étaient prêts peut-être à faire l'effort à 3-4 millions parce que, en fait, a priori, Jordan Lotomba a refusé. Dis-moi. Non, il n'y a rien à dire. J'essaie juste de me contenir de rire. 5 millions pour Lotomba ? Ouais. Bon. Refusé pas mal de propositions parce qu'il en a reçu, a priori, d'Allemagne, d'Italie, Suisse, même la Russie. Et donc, si ce dossier se décante, forcément, bah, ça ouvre la porte à peut-être l'arrivée d'une doublure à Melvin Barr et peut-être un ailier gauche. En tous les cas, ça négocie, c'est tout ce qu'on peut vous dire là pour le moment, parce que évidemment, quand vous verrez cette émission, peut-être qu'il y aura des nouvelles fraîches à ce niveau-là, mais pendant qu'on enregistre, ça négocie donc pour un départ de Lotomba. Et du coup, une ou deux arrivées. Alors, il y en a une qui était plus ou moins dans les tuyaux pour remplacer, pour avoir un remplaçant plutôt à Jérémy Boga, c'est Mike Trésor de Burnley. On ne connaît pas trop ce joueur, on va en voir une photo de lui, qui est donc ailier gauche, qui est d'origine burundaise, qui a, dont son vrai nom, c'est Mike Trésor Ndayishimiye, donc comme Youssouf, pour le coup, mais qui pourrait donc arriver au poste d'ailier gauche. Et alors, le deuxième joueur qui pourrait arriver, là, pour le coup, ça serait un piston gauche derrière Melvin Barr. La porte n'est pas fermée, là, non plus, mais là, désolé, mais à l'heure qu'il est, on n'a pas le nom encore de ce joueur-là, on aimerait bien l'avoir. Le retour du sous-marin. Voilà, peut-être qu'à la fin de l'émission, on aura quelque chose, mais pour l'instant, évidemment, on n'a pas, donc il faut évidemment prendre tout ça au conditionnel, mais cela montre en tous les cas que l'OGC Nice, William, reste actif sur ce dernier jour de Mercato, malgré le fait que on a coupé le robinet, quoi. Moi, je ne sais plus comment regarder ce dernier jour de Mercato. Parce que, est-ce que c'est le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce qu'on avait besoin d'atteindre le dernier jour de Mercato ou forcément? Est-ce que Jordan Lotomba, ça fait 3 Mercato qui doit partir. Été dernier, hiver dernier et encore celui-là. Jordan Lotomba qui, à chaque fois, fait attendre le dernier jour de Mercato. Est-ce que c'est bien pour le club aussi? Je sais pas, mais bon, on va faire avec. Pas le choix, de toute façon. Si le joueur ne veut pas partir, tu vas pas non plus. Ouais. Donc... moi, je peux pas sauter au plafond quand je vois qu'on vient de ficeler le dernier central cette semaine, un avant-centre cette semaine, et peut-être un piston gauche, un ailier gauche le dernier jour de Mercato. Pour préparer. L'avant-centre, c'est la blessure de Laborde, plus celle de Mofi qui dicte le tempo. Puis il a raison, Alexis. Il faut jamais oublier qu'on est l'OGC Nice et qu'à 23h01, peut-être le fax est arrivé trop tard. Bon, c'est plus de fax maintenant. C'est automatique, c'est par Internet. C'est le logiciel de l'UEFA. C'est Internet, on sait jamais, il n'y a pas le mail. C'est le logiciel de l'UEFA, mais il y a eu effectivement des transferts avortés encore dernièrement, dans des dernières fois. Ou même Bamba Dieng, qui n'avait pas passé la visite médicale. C'est la visite médicale, soi-disant, qui coinçait un peu. Et on en voit beaucoup des visites médical ces derniers temps qui sautent. Ouais. Hein. Coince avec Kevin Nansou, effectivement, en particulier du côté de Lens vers la Roba. Après, le dernier jour du Mercato, c'est souvent comme ça. Les clubs, ils attendent le dernier moment pour faire baisser les tarifs ou jouer au dernier moment. Malheureusement, c'est tout le temps comme ça. Mais surtout ce Mercato qui a commencé très tardivement aussi pour beaucoup de clubs. Bah, de toute façon, ça sert à rien de faire commencer au mois de juin. Hein, parce que autant ils ont qu'à faire les 15 derniers jours d'août. Hein, puis, bon, alors, en tous les cas, ce que l'on peut dire pour l'instant, si jamais pendant l'émission, on a d'autres infos, on vous les donnera, sinon vous suivrez évidemment les réseaux et les médias de l'OGC Nice qui pourront peut-être annoncer ça. On va écouter juste une dernière fois Francaise à ce propos donc de ce Mercato. Lui, il est en train de tirer plus ou moins le bilan de ce Mercato. Francaise, est-ce qu'il en est satisfait? Écoutez l'entraîneur de l'OGC Nice. D'abord, je suis satisfait des joueurs qui sont avec nous. Voilà. Et plus globalement, de l'effectif que j'ai à disposition. Voilà, ça, c'est déjà important. Alors évidemment, oui, on a mis un peu de temps sur certains postes, mais on connaît les raisons, hein, il y en a. Elles sont en grande partie économiques. Mais moi, je suis satisfait du travail qu'on fait avec Flo et qu'on fait avec la direction. Voilà, on veut toujours avoir plus, mieux. Je ne vous dis pas que j'aimerais pas avoir encore peut-être un ou deux joueurs pour être encore plus fort, mais voilà, c'est pareil. Ça ne dépend pas ni uniquement de moi, ni uniquement de la direction, d'ailleurs.
Voilà donc Francaise au micro de Philippe Bertini qui nous parle donc de cette fin de mercato. On va passer à l'indiscret, il concerne encore un petit peu le mercato, vous allez voir. L'indiscret donc qui concerne un jeune joueur de l'OGC Nice qui va faire ses valises, Léandra, il s'agit de Daouda Traoré. Oui, alors ça c'était pas vraiment indiscret parce qu'on le sait depuis quelques jours, c'est l'équipe qui a révélé cette information que l'on peut confirmer, donc ça va se conclure aujourd'hui, sauf retournement de situation. Il va partir à Southampton pour environ 800 000 euros et a priori il sera prêté dans la foulée à Valenciennes en National. Mais ce que je voulais rajouter sur ce dossier, c'est déjà parce qu'il y a pas mal de monde qui se demande pourquoi accepter une offre à un tarif à moins d'un million d'euros alors qu'il y avait eu, a priori, une offre de la Juventus en février dernier, de 8 millions d'euros. A priori, selon nos informations, cette offre, en fait, n'a jamais existé. Mais le club, à l'époque, avait... le club, à l'époque, en fait, forcément, n'avait pas démenti parce que ça l'arrangeait. En tout cas, il n'avait aucun intérêt à démentir cette information. Et à déprécier son joueur. Exactement. Donc là aujourd'hui, pourquoi Daouda Traoré s'en va? Déjà parce qu'il est arrivé à un an de la fin de son contrat, parce que c'est difficile de le prolonger aussi, parce qu'il a un salaire déjà plutôt élevé pour un jeune joueur. Et puis, il n'a pas forcément convaincu le staff de Francaise, ni d'ailleurs il n'avait convaincu le staff de Francesco Farioli avant lui, parce qu'il a un gros potentiel, mais il a certains manques aussi. Qui faisait douter en sa capacité en fait, à exposer tout de suite au haut niveau. Et en fait, le but, c'était de le prêter, mais un an de la fin de son contrat, prêter un joueur, ce n'est pas possible. Le faire jouer avec les 19, ça n'aurait pas eu d'intérêt. Donc, il va partir à Southampton. Qui va peut-être le prêter, ouais, c'est ça? Qui va peut-être le prêter. Ouais. Mais du coup... Nice Valenciennes. Ouais, à Valenciennes. Nice qui va passer de Nice à Valenciennes, ça va être... Ça va piquer. Sur le mode de vie. Va pas rigoler. Mais par contre, avec un fort intéressement à la revente. D'accord. Donc, même s'il explose plus tard, Nice espère avoir quand même un retour sur investissement. On le disait en préparant cette émission, oui, le Daouda Traoré qui nous a été présenté un peu comme un futur Pogba. Ouais. Peut-être pas Paul, du coup. Non, mais en fait, non, mais il avait les grosses qualités qu'il a encore, hein, parce qu'il les a pas perdues. Il les avait déjà depuis 2 ans, bien facile. Et d'ailleurs, Lucien Favre l'avait emmené en stage au Portugal à l'époque. Il avait fêté ses 16 ans avec le groupe. Donc, ça montrait que pour qu'il parte là-bas avec lui, c'est qu'il était vraiment précoce. Mais voilà, il a stagné. Depuis ces 2 dernières saisons. Après, je pense qu'il n'y a pas que de sa faute. Jouer avec une équipe réserve qui joue tous les 4 matins, qui a une adversité pas toujours au top et tout ça, ça n'aide pas dans la progression d'un gamin. Donc, l'OGC Nice qui s'annonce comme un club formateur, va encore un jeune. Ça va. Non, mais ça, ok, mais si le jeune il n'est pas bon, s'il ne répond pas aux attentes, tu ne vas pas le garder. Pour le garder, à un moment donné, Alexis a fait partie de la formation niçoise. Il est resté parce qu'il avait les qualités et qu'il s'intégrait dans le collectif. Donc, on ne va pas garder un jeune, Alexis, juste parce qu'il a été formé à l'OGC Nice. Non, non, c'est sûr. Après, il n'a même pas joué. Non. Un match. À Lille. J'ai jamais vu jouer. Il est rentré à Lille. Il a fait une dernière journée. Où il marque. Il marque et hors jeu. Ah ouais, voilà. Moi, j'ai jamais vu jouer perso. Après, aujourd'hui, les clubs, ils sont... Ça passe pas tout de suite, ça passe pas. Voilà. S'il y a deux coachs comme Francaise ou Francesco Farioli, qu'on va pas accuser quand même d'être des mauvais coachs, qui décident que c'est pas... Il était où avant Nice ? Que c'est pas un bon joueur. La banlieue parisienne, depuis 2021 à Nice. Et on lui souhaite évidemment une très belle carrière, hein, Daouda Traoré, qu'il éclate à Southampton ou à Valenciennes, ou on ne sait où. Mais il y a un potentiel, clairement. Voilà, mais si ça ne convient pas au moment M, il faut savoir aussi se séparer de certains joueurs... À un moment donné, on ne peut pas... Après, il n'est pas perdant, ça, au Southampton. Il sera bien payé, dans des bonnes conditions, en Angleterre. Voilà. C'est un beau club d'Angleterre. C'est un très beau club anglais. Donc, il n'y a pas non plus... Il n'est pas perdant sur toute la ligne. Hein. Après, il y a pas mal de joueurs. Il y a Benrahma, à l'époque, qui a explosé en Angleterre. C'est un peu plus compliqué ici, mais il avait les qualités. Ouais, mais Nice en a à peine servi, de Benrahma. Ouais, il y en a plein. Bon, en tout cas, le club a aussi décidé de miser, par exemple, sur Issiaga Camara, là, qui vient de signer son premier contrat professionnel. En tout cas, ils sentent quand même un potentiel. Il est rentré contre Auxerre, il me semble, comme Victor Orakpo, qui lui aussi a été prolongé. Il a été prolongé cette semaine.
Bon. Il y a quand même des signes. Voilà. Il y a des Niçois ou pas? Ouais. Hein? Il y a des Niçois ou pas? Il y a des Niçois où ça? Dans le centre de formation. Je ne sais pas débat. Si c'était pas le dernier. Si, regarde, il a des sangs. Il est né à Marseille. À Ajaccio. Qui a fait son... né à Ajaccio. La plupart de notre carrière. Et Antoine Mendy. Mais il n'a pas tort dans ce qu'il dit. Ça manque ça aussi, c'est vrai, des Niçois. Non mais attends, ok. Pas de problème, Alexis, je suis d'accord avec toi, aucun souci. Mais si les Niçois que tu as, ils sont pas bons, tu vas pas les faire jouer parce qu'ils sont niçois. Il y a 350 000 habitants, des jeunes qui jouent au foot, il y en a. Parce que t'es passé à côté de qui en Niçois aujourd'hui, dernièrement, qui est vraiment bon? Benjamin André, peut-être? Aujourd'hui? Non, mais des mecs que t'as peut-être ratés à la formation, parce que t'as privilégié... Ah, d'accord, ça qui parce que t'as privilégié une cellule de recrutement dans la banlieue parisienne ou dans la banlieue lyonnaise et qui font ou dans la banlieue marseillaise. Et que peut-être à 14 ans, ils étaient bons aussi. Et voilà, c'est pas... C'est sûr. Enfin, après, une fois que tu as 18 ans et que tu joues à Grasse, c'est trop tard. Hein. Ah, regarde Vincent Clausiello, jouer à Grasse. Ouais. Et il a pu jouer à Nice. Moi aussi, je joue au Cavigal, mais à 15-16 ans, je suis parti à Nice, tu vois. Je sais pas, faut voir au centre à 15-16 ans s'il y a des Niçois aussi. Ça, je sais pas, moi, je les ai vus recruter des Anglais, des mecs qui sortaient de nulle part à des 15 ans, 16 mais ça, ans. Mais tu as raison, la formation à Logistique, ça a toujours été un débat. Ça, c'est certain. Il y a eu heureusement des joueurs comme toi, comme Neil. Pas me dire que je suis le seul. Comme Hugo qui sont sortis, ah ouais, mais... Lloris qui sont sortis aussi, Cédric Varro, j'en passe. Malin. Encore Malin, évidemment, Malin Sarr. Il y en a qui sortent, mais c'est vrai que l'OGC Nice pourrait peut-être faire mieux dans son bassin de population. Mais c'est le but, non aussi. Enfin, c'est en tout cas le projet qu'ils nous présentent. Après, ils ont reconnu des erreurs. Après, il faut voir si. Concrètement, tu avais des coachs qui, par exemple, comme Lucien Favre, qui s'en foutaient complet des jeunes et qui ne les faisaient pas jouer, qui ça n'encourageait pas un jeune à venir signer à l'OGC Nice, peut-être à ce moment-là, en post-formation ou en pré-formation, ça dépend. Non, mais ça fait des années qu'on dit que pour que le jeune soit attaché au club, il faut qu'il soit formé là-bas, qu'il y ait une vraie reconnaissance, que le public après se reconnaisse comme il se reconnaît dans Alexis. Voilà, et c'est pas fait. Voilà, c'est pas fait. Et ça fait des années que j'entends ça depuis que je suis logé chez Nice, qu'il faut qu'il y ait des Niçois qui soient là pour porter les couleurs, que le cœur soit rouge et noir. Voilà, Alexis, c'est le parfait exemple. Mais depuis lui, ben, il n'y a personne. Mais, alors, regardez, on parlait de la semaine dernière de Neil Maupay. Neil Maupay qui va donc signer... Il est né à Versailles, Neil Maupay. Oui, mais qui avait le cœur rouge et noir, là, pour le coup, parce qu'il nous en parlait souvent. Il a même dit sur ce plateau l'année dernière, on le recevait au mois de juin l'année dernière, son envie de rejoindre l'OGC Nice. L'OGC Nice n'en a pas voulu, ou alors c'était un dossier trop compliqué pour l'OGC Nice. On ne peut pas lui reprocher aujourd'hui d'aller signer à l'Olympique de Marseille un club qui a envie de le faire jouer et qui a envie de lui. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, mais moi, c'est ma vision aujourd'hui. Oui, mais alors, c'est la politique des dirigeants. Quelle est la politique des dirigeants? Elle veut quoi? Elle veut des supporters qui se reconnaissent dans son équipe ou pas? Ben, là, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y en a plus ni soi, tu te reconnais moins dans ton équipe aussi, quoi. Donc, moi, je trouve que... Moi, j'aurais rêvé que Neil y revienne. Bah, vraiment, évidemment, mais nous aussi, on en parlait la semaine dernière. Moi, j'aurais vraiment aimé que Neil revienne. Neil revienne, il est capitaine. Et là, ça, franchement, ouais. Ça me fait chier qu'il ait signé à l'OM, parce que voilà, c'est... Parce que c'est difficile de voir Neil avec le maillot de l'Olympique de Marseille quand on est niçois, on le sait bien. Oui, mais déjà... il a une carrière à gérer, Neil. Ah oui, non, mais c'est sûr. Après, là, il est pour rien. Hein. Et voilà, moi, j'ai pas le talent de Neil, j'ai pas les contrats de Neil, mais voilà, je l'aurais pas fait. Mais ça, c'est différent, là, ici, on le sait. Après, j'ai une histoire différente aussi avec Nice, avec les clubs du Sud, avec les clubs français. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est le choix de Neil Maupay, évidemment. Et de l'OGC Nice. Et de l'OGC Nice, surtout, de ne pas l'avoir. Parce que... C'est peut-être là le point qu'il faut appuyer. Parce que c'était... Après, je sais pas, financièrement... 4 millions, c'est ça le... Je te fais la transition sur le sujet d'après. Pour 4 millions, de ne pas l'avoir pris. L'OGC Nice, les dirigeants ont décidé de faire Moukoko... à une option à 18 millions plutôt que Neil à une option à 4. Bon, allez, justement, ça va lancer... C'est leur choix. Ça va lancer le pour-contre de la semaine avec donc Youssoufa Moukoko.
Paris risqué pour Youssoupha Moukoko, parce que c'est vrai, on l'a dit depuis tout à l'heure, c'était un jeune joueur qui a débuté tôt en Bundesliga. On va regarder bien d'ailleurs ses stats à Moukoko avant de vous donner la parole sur le pour-contre, puisque c'est le plus jeune joueur à avoir évolué en Bundesliga, 16 ans et un jour, plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga, 16 ans, 28 jours, plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions, c'est quand même pas rien, 16 ans et 18 jours. Et puis après, il s'est un peu perdu avec des blessures. Après, il n'a peut-être pas confirmé autant qu'on le voudrait du côté du Borussia Dortmund. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pose cette question. Youssoupha Moukoko, Paris risqué. C'est à Leandra de débuter cette semaine. Alors pour moi, déjà, chaque transfert est un risque parce qu'il n'y a aucun directeur sportif dans le monde qui a 100% de réussite. Là, pour moi, le risque, il est ultra limité parce que c'est un prêt avec une option d'achat non obligatoire. C'est-à-dire que si ça se passe mal, bah il s'en va, on l'oublie et puis c'est tout. Mais par contre, il arrive en prêt, il va venir apporter des solutions différentes. Il peut même être associé à Evan Guessant dans l'axe parce que lui va apporter d'autres qualités de vitesse, de profondeur, sans boucher le développement d'Evan Guessant. Et c'est ce qu'on disait la semaine dernière, on a besoin aussi qu'Evan Guessant il continue à progresser. On n'a pas envie de le freiner dans sa progression. Donc Moukoko, un profil en prêt, qui va venir, qui va apporter d'autres solutions, qui marque des buts, même en étant super sub, parce que comme tu l'as dit Mika, il a été freiné par des blessures, mais même en jouant 18-20 matchs, en faisant des apparitions dans la saison, ces deux dernières saisons, c'est 5 buts et 7 buts. Donc pour moi, Youssoupha Moukoko, une bonne solution de sortie de banc, une bonne solution pour apporter de la concurrence dans un secteur qui est démuni en ce moment, et qui va aussi laisser la place à Gaëtan Laporte de revenir dans 3 mois, à Terry Moffi de revenir dans 6 mois. Bon, voilà, pour les arguments de Leandra, Will, c'est à toi. Je vais d'abord rebondir sur ces arguments. 5 buts et 7 buts pour un joueur qui vaut 18 millions d'options d'achat. En Bundesliga. C'est faiblard. Dortmund hein. qui met 120 buts voilà. par saison. Faut voir combien ça représente. Il a raison. Dortmund, l'Allemagne, ça marque beaucoup de buts, les équipes. Donc c'est un petit ratio sur le nombre de buts marqués. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose... ses qualités d'âge, tout ça, il y a une question sur son âge. Donc moi je veux bien soit le plus jeune en Ligue des Champions, le plus jeune, mais s'il a 4 ans de plus en fait. C'est une rumeur ça, on n'en sait rien. Hein. C'est une rumeur, mais j'ai lu les papiers, en fait l'histoire elle est rocambolesque, c'est un papa adoptif, c'est, donc en fait les papiers au Cameroun, on connaît l'histoire avec les joueurs africains, les papiers, il n'y a pas vraiment de... quand il y a une naissance, on ne va pas à la préfecture la déclarer comme chez nous, c'est pas pareil. Donc bon voilà, il y a cette histoire-là, donc pour moi, toutes ces histoires d'âge, ça veut rien dire. Donc je regarde le nombre de buts qu'il met, c'est pas la folie. Je regarde combien de temps il a été blessé ces derniers temps, beaucoup. 18 millions et je reviens, et j'ai commencé par ça, je finis par ça. J'ai vu Neil Mopé, le prix que va le payer l'OM, je suis dégoûté. C'est peut-être pas le même salaire si. En plus, mais Moukoko, Dortmund, tu le payes en qui entier. A prolongé déjà une fois. Donc, ouais. qui a augmenté son contrat initial puisqu'il avait prolongé. Et le GC Nice prend le salaire en intégralité, a priori. Voilà. Il est international allemand. Hein. C'est pas un cadeau. Mais depuis 2022, il a plus été sélectionné en Allemagne. Oui, mais il a deux sélections. Non, mais je te parle pour le salaire. Quand tu es international. Excusez-moi, mais c'est plus un international. Quand ça fait 2 ans qu'il a plus été appelé. Oui, mais il a le salaire d'un international. Voilà. Il a re-signé. Donc, pour moi, c'est un énorme pari. Son salaire est gros. Non, Paris, moi je ne suis pas fou de l'arrivée de Moukoko. Bon, ça a enthousiasmé quelques supporters. Alexis, toi, est-ce que ça t'enthousiasme cette arrivée? Tu as un peu répondu déjà. Enthousiasmé, c'est pas Balotelli. Mais voilà, ça peut. Pour moi, en complément, quand il y aura Boga à la bord de tout ça. Guessant chaud. Guessant bon, Moffi, tout ça, pour moi, ça va être un complément, mais si il revient sans les blessures, il a des qualités qui sont énormes pour l'âge, voilà. Même s'il a 3-4 ans de plus, bon, ben, bref, ans, voilà, maintenant il est chez les adultes, ça se voit, ça se voit plus, mais c'est pour ça, ces histoires d'âge, ça veut pas. Il a raison, Willy, ça veut pas dire grand chose. Donc ouais, c'est un pari risqué parce que c'est le coup qui vienne, un an, il joue 12 bouts de match, tu le payes un bras toute l'année, ce qui t'empêche de faire un joueur valeur sûre, on va dire, comme aurait pu être Neil. Donc voilà, c'est un pari qui
peut payer, mais qui peut aussi coûter cher financièrement, au moins, à l'OGC Nice. Antoine, la synthèse de tout cela, et je vais peut-être ajouter un argument. On a vu que, par exemple, pour Georges Mikokadze, que ça ne marchait pas du tout à l'Ajax d'Amsterdam. Il est arrivé à Metz. Metz a levé son option d'achat, l'a vendu très cher derrière à Lyon. Bon, il a des débuts compliqués pour l'instant, Mikokadze. Mais est-ce que l'OGC Nice, peut-être, pourrait pas faire ce coup-là aussi? Avoir un Moukoko qui flambe, qui vaut 40 millions demain et qu'il a acheté 18 millions. C'est aussi peut-être ça l'idée, je ne sais pas. Ça peut être ça l'idée, mais dans le court, pour l'instant, on parle sur le court terme, là. Bon, le court terme, moi, j'ai entendu les arguments de Leandra qui sont très bons. Et s'il met 30 buts, pensez que Dortmund, ils vont pas le récupérer. Ouais, mais c'est une option d'achat, tu sais pas comment y aller. C'est une option. Et l'Ajax avait vu Mikokadze aussi. Hein, puis j'adore le gym. Hein. Mais si c'était vraiment un temps phénomène que ça, je pense qu'il y aurait d'autres clubs que le gym qui voulaient le récupérer. Marseille l'a voulu. Hein, bah moi aussi, j'ai quelque chose aussi. C'est Dortmund, ils ont pas l'habitude de laisser partir des monstres en prêt. Donc voilà, après, eux, je pense que ça les arrange bien. Ouais, mais attendez, ils ne payent gars, pas le salaire. C'est clean, ils ont un joueur qui va jouer à Ligue Europa. Dont ils comptent pas du tout à Dortmund. Ils se disent, bon, il va là-bas. Si on peut récupérer 18 millions, on va les récupérer. Sinon, on verra. Mais Dortmund, il laisse rarement partir des cracks. C'est sûr que ce n'est pas Bellingham qu'ils vont laisser partir comme ça au départ. C'est Lucien Favre, d'ailleurs, qui a lancé Moukoko. C'est exact. En Bundesliga. Antoine, alors qu'on disait qu'il ne lançait pas les jeunes tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, il était peut-être un peu obligé. non, mais bon, donc les arguments de Leandra sont bons et je les entends. Mais je suggérerais plus du côté de Will et de Alexis parce qu'effectivement, moi, j'aurais préféré un retour d'une valeur sûre comme Nîmes Mopé qui coûtait en plus moins cher, qui avait le cœur rouge et noir. Et voilà, donc je pense que ça aurait été... Mais au-delà de Nîmes, un joueur confirmé de... Non, mais si tu avais le choix entre l'un ou l'autre. Oui, entre l'un ou l'autre, mais je pense que Nîmes a les moyens d'attirer un joueur de 28, 27, 26 ans qui a joué déjà une centaine de matchs en Ligue 1 ou dans une première division. Enfin, voilà, un mec qui n'est pas blessé. Au-delà souvent. Du sportif, ça parlait aussi d'un aspect qu'on nous a un peu cassé la tête depuis deux ans avec ça, c'est l'identité. Ah ben oui. Voilà, on veut faire une équipe avec de l'identité, un club d'identité. Nîmes, je pense que tu ne pouvais pas faire mieux en termes d'identité. Ah non, aujourd'hui. Donc, voilà, donc... À part faire revenir Hugo ouais. Moi, ou voilà. Ouscara. Ouscara, il y avait Nîmes. Hein. Voilà, donc à un moment donné, en fait, c'est un peu comme les projets. Chaque année, il y en a un nouveau. L'identité, chaque année, il y en a une nouvelle. On n'a jamais la couleur et l'action derrière. Bon. Tu as besoin de joueurs dans le vestiaire qui te bouge tout ça. Et il y a Dante, mais maintenant, il a 40 ans. Il faut aussi qu'il se concentre sur son... Sur ce qu'il fait sur le terrain et avec un Nîmes à côté, ça aurait été une valeur sûre aussi dans le vestiaire. Quoi. Bon, en tous les cas, ça, c'est pas fait. On va pas refaire le monde, évidemment, à partir du moment où Nîmes Mopé a signé à l'OM et que Youssoufa Moukoko est à l'OGC Nice. On suivra ça, évidemment, tout au long de la saison. C'est l'heure de vous parler donc de ce tirage au sort de l'Europa League. Il a été effectué à 13h30 du côté du Grimaldi Forum de Monaco. Nous y étions, mon cher Will, on a vécu tout cela ensemble avec des préférences sur les déplacements, les choses comme ça. Fais gaffe, Leandra, il a déjà mis quelques jalons. Malheureusement. Will, mais il mérite. Sur les déplacements à voir. Alors, on va récapituler tout ça, puisque je vous en ai parlé en ouverture de cette émission. On va voir le tableau donc de ce tirage au sort d'Europa League. Une poule unique de 36 équipes avec 8 matchs à jouer, donc... L'OGC Nice recevra les Glasgow Rangers. Hélas, on a cru un moment que ce serait le contraire. Ah ouais. Mais finalement, l'OGC Nice recevra les Glasgow Rangers. Il n'ira pas à Ibrox Park. Recevra la Real Sociedad, Bodo Glimt et Twente. On va faire après un petit peu plus précisément le tour des équipes. La Lazio de Rome à l'extérieur. Ferencváros, donc club de Budapest en Hongrie. L'Union Saint-Gilloise, banlieue de Bruxelles. Et Elfsborg, un club suédois de Borås, à peu près une heure de Göteborg. Ça, vous allez tous nous en parler tout à l'heure. On travaille un petit peu. Alexis, je vais te donner la parole en premier. Tirage plutôt abordable, on va dire, pour l'OGC Nice. Bah oui, abordable. Après, on sait, pour les clubs français, la Coupe d'Europe, c'est toujours compliqué. Il y a quand même des habitués du niveau, donc...
Donc ouais, non, puis même pour nos supporters, je pense qu'il y a trois capitales, peut-être la Suède où ça va être compliqué de se déplacer, mais... Ah ouais, la Suède, imagine le match est au mois de décembre, oh, bonne le 15 chance. Décembre. Ouais, attends, en plus voilà. Alexis nous en parlait en off, c'était pas, c'est pas si loin, ouais, c'est que pas si loin d'où j'étais en Norvège, donc ah il ouais faut mettre une bonne veste. Mais après Rome, c'est pas très très loin, Bruxelles, c'est pas très très loin non plus, Budapest, un peu plus compliqué, mais ça reste une capitale, donc je pense que... Il y a quelques beaux déplacements à faire. Voilà, il n'y a pas trop d'exotique avec Karabagh ou des trucs comme ça. Ouais. Je ne pas Karabagh, au contraire de Lyon qui ouais se déplace à Karabagh. Je trouve que c'est surtout ça, là, la satisfaction, je pense, que peut avoir le club, c'est d'éviter ce genre de déplacement au bout du monde. Parce que, mine de rien, la Ligue Europa, là où c'est compliqué, c'est que tu joues le jeudi. Donc, dès que tu te fais un long déplacement... Non, à l'époque, on était allé à Krasnodar. Voilà. On était rentré dans la nuit. Et voilà, après le match, on est arrivé à... Même au petit matin, presque. Mais t'arrives à 6 heures du matin, vendredi 6 heures. Et tu dois jouer dimanche 15 heures. Et voilà. 15 heures, voilà. Donc, ouais. T'imagines dans quel état... Donc, ça, c'est vraiment le truc bien d'avoir évité. Après, c'était compliqué d'avoir 8 adversaires complètement, à la portée. Donc, avoir de la Real Sociedad, de la Lazio de Rome. Ton chapeau 1, il est, avec les Rangers et bon, la Lazio à Rome, ça reste quand même un gros match, évidemment. Ah ouais. Mais il y avait des plus grosses équipes à attirer dans ce chapeau 1. On pense à Manchester United, on pense à la Roma, on pense à d'autres comme celle-ci. Bon, là, ton chapeau 1, ça va. Ouais, tu peux essayer de faire quelque chose à domicile contre les Rangers, par exemple, les Rangers de Philippe Clément. Évidemment. Les notre Rangers cher de Philippe Clément, l'ancien coach de l'AS Monaco. Antoine, voilà. Qu'est-ce que t'en penses de ce tirage? Mais moi, je pense que c'est pas mal. Dommage qu'il n'y ait pas quand même Ibrox Park pour les Rangers et que ça se déroule à Nice. Mais il vaut mieux prendre les Rangers à l'Alliance. Il y a quelques pubs à Nice qui sont contents. Je pense que le Rangers à Nice. Soir dans le vieux, ça va être pas mal du tout. Ça va être sympa. L'avant-match, l'après-match, ça risque d'être Francfort à domicile. D'être sympa avec les Écossais. Bon, on va voir, avant d'écouter Jean-Pierre Hivert et sa réaction, on va juste voir la formule pour continuer un peu à parler ensemble de tout cela. La formule est bien de cette Europa League version 2024-2025, avec donc, si l'OGC Nice termine entre la première et la huitième place parmi cette poule unique de 36 équipes, eh bien, ce sera directement qualifié pour les huitièmes. De la 9e à la 24e place, tour de barrage aller-retour, en sachant que le 9e affrontera le 24e, le 10e le 23e, et ainsi de suite. Il n'y aura plus de tirage au sort. Il n'y a plus de tirage au sort. Là, on saura dès la fin des poules qui jouera contre qui, de la fin de la poule. Et c'est pour ça que même les deux premiers de la phase régulière, au final, seront sûrs de jamais plus se rencontrer jusqu'à la finale. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est. C'est ce ils seront tête de série 1, tête de série 2. Exactement. Et donc, de la 25e à la 36e place, il n'y a plus de reversement, plus de repêchage en Europa League conférence. Eh bien, ça sera terminé pour les espoirs des Niçois en Coupe d'Europe si jamais ils finissent à cette place-là. Il y a quand même 8 matchs à jouer cette saison, 2 de plus que lors des phases de poule d'Europa League conférence ou d'Europa League les saisons précédentes. Donc c'est vrai qu'on dit, Will, qu'il faut une dizaine de points pour finir dans le top 24. Voilà. Ah ouais, au minimum une dizaine de points. Au minimum une dizaine de points, tu finis dans le top 24. Trois victoires à nul. Ouais. Mais après, je pense que si tu as tes points assez rapidement, tu peux jouer aussi le coup de choper ta place dans le top 8. De aussi. Faire le top 8. Si tu fais top 8 quand même, tu t'évites un tour de barrage, en sachant que du coup, comme ça s'étale jusqu'à février, le barrage, ça sera à courant mars probablement. Donc si tu peux t'éviter en mars de faire un match de plus aller-retour et de pouvoir te consacrer qu'au championnat, c'est pas mal. Et moi, j'ai déjà les places pour Bilbao. T'as pris tes places pour Saint-Mamès. Tu iras voir la finale d'Europa League. Quoi qu'il se passe. Toi, t'es un optimiste. Mais je préférais qu'il y ait Nice. On s'en doute. On s'en doute. Super stade en plus sur la messe. Ouais. Elle a l'air pas mal du tout. Voilà. On va écouter Jean-Pierre Hivert. La réaction du président de l'OGC Nice était dans les coursives du Green Maldi Forum tout à l'heure après ce tirage. Déjà le plaisir de retrouver la Coupe d'Europe parce que ça nous avait manqué l'année dernière. Après un bon tirage, on le sait à la fin si on a fait un bon tirage. Donc j'espère qu'on aura surtout le public qui va nous suivre, que ce soit à l'extérieur ou chez nous. Le stade fera le plein. Et puis on va essayer de vivre cette expérience, cette nouvelle expérience en Coupe d'Europe le mieux possible. On a l'objectif d'y performer et j'espère qu'on aura le plaisir de se qualifier pour la suite. Toutes les équipes sont à craindre. Enfin, on a des équipes qui sont un peu plus calibrées que d'autres. Hein. Vous les connaissez comme moi. Mais voilà, il faudra faire attention. Il peut y avoir des matchs pièges, donc il faut faire attention à ça, il faut être vigilant. Mais on est confiant et on y va pour aller jusqu'au bout. Quoi. On a une petite revanche à prendre, je crois, à Rome. Si je me souviens bien, on avait dû perdre
un petit but à la dernière minute. Donc on va être content de retourner à Rome. Et puis voilà, c'est le parfum de la Coupe d'Europe. Match. Voilà le parfum de la Coupe d'Europe. On discute évidemment sur le plateau de Gym Tonic. Ouais, parce que les Suédois, il vaut mieux les prendre l'hiver. Les Suédois, il vaut mieux les prendre l'hiver parce qu'ils ont arrêté le championnat. La saison s'arrête en novembre. Ouais, c'est ça. Alors, vous allez nous faire un petit topo, là, Léandra, Antoine, sur ces clubs que l'OGC Nice va affronter. Alors, je ne sais pas qui a préparé quoi. Donc, Léandra, elle a préparé à l'extérieur parce qu'évidemment, elle va se déplacer, donc elle s'est déjà renseignée. Bon, alors, parle-nous des équipes à domicile. Les Rangers. Alors, Philippe Clément, on disait. Philippe Clément, qui est donc l'ancien entraîneur de l'AS Monaco, hein, qui s'est fait évincer il y a un an. Donc, et qui l'année dernière. Pas laissé un grand souvenir. Non, l'année dernière a terminé deuxième avec les Rangers. Il faut savoir que les Rangers, quand même, ont gagné un titre en 2021, mais ça fait 13 ans que c'est le Celtic, sinon, qui gagne tous les titres. Donc là, ils ont été éliminés au troisième tour de qualification par le Dynamo Kiev de la Ligue des Champions. Donc, ils ont été reversés. En Ligue Europa. Alors, il faut savoir quand même, historiquement, ils ont quand même gagné 50 titres de champion d'Écosse. Ouais, ils ont gagné une Coupe des Coupes en 72. Il faut savoir aussi. Et au niveau de l'effectif, alors des connus, en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le fils de Georges Hagi, Yanis Hagi. Georges Hagi, ah oui, le Roumain. Georges Hagi, le Roumain, Yanis qui a fait l'euro là, avec la Roumanie, qui a 25 ans. Et sinon, il y a l'inamovible James Tavernier, se dit pas comme ça. François l'aubergiste. Tavernier. Voilà. qui est capitaine, qui a joué depuis très longtemps là-bas, qui était revenu quand le club était redescendu en D4, mais lui était revenu en D2 et il a fait. Tu vas pas trop nous faire de cinéma. Non, stop, allez, j'arrête là. Mais ils ont fait finale d'Europa League. Et ils ont fait quelques de Francfort. Oui, ils ont fait Séville il y a 2 ans. C'est qu'ils ont quand même une sacrée expérience en Europa League. Ok, ça c'est pour les Rangers. Après, la Sociedad, donc 6ème de Liga. Alors là, il y a des gros joueurs dans l'effectif. On va citer Mikel Oyarzabal, le capitaine qui a joué l'Euro. Avec l'équipe d'Espagne. Qui a marqué le but en finale. Il y a le Messi japonais, Takufusa Kabo. Ah, c'est pas Takumi Minamino le... voilà, il avait fait mal un peu au PSG. C'est quelqu'un qui vaut 50 millions d'euros quand même. Real Sociedad, on se souvient, éliminé par le Paris Saint-Germain en 8e saison de finale de Ligue des Champions. Par le but de Mbappé. Et il y a un milieu aussi, Martin Zubimendi, là, 25 ans, qui coûte 50 millions d'euros aussi. Donc c'est quand même des gros joueurs. Ça, c'est peut-être même la plus grosse équipe, la Real Sociedad. Non, je trouve. Ils ont perdu le Normand. C'est les deux gros. Mais c'est même au-dessus pour moi. La Sociedad, c'est au-dessus de la Lazio. Ils ont perdu le Normand qui est parti à l'Atletico. Mais bon, c'est très grosse équipe. Ouais, d'accord. Autre club que l'on va recevoir, c'est Bodo Glimt. Voilà, bah, si tu as des infos. si tu as une info quand même, assez bonne. Il y a une info quand même, joueur de Bodo Glimt. Tu parles de qui de... Vas-y. Patrick Berg. Non, Berg, c'est celui qui a joué à Lens. Oui, celui qui a joué à Lens une saison. Que Franquès connaît très bien. Voilà. C'est donc voilà. Meilleur joueur de cette équipe. C'est le capitaine. Milieu défensif, capitaine de cette équipe-là. Patrick Berg. Il faut les jouer. Il ne pas confondre avec Patrice Berg, l'ancien entraîneur. Décembre ou janvier, ils seront en vacances. Ah ouais. Impeccable. On connaîtra samedi, samedi 13h, l'ordre des matchs et le calendrier. Il faut prendre les deux Scandinaves en janvier. Eux, ils sont champions en titre de 2023 parce qu'effectivement, la saison s'est terminée, comme disait Alexis tout à l'heure, au mois de novembre dans les pays scandinaves. Donc, eux, ils sont champions en titre. Mais la saison, là, elle est vers la fin, là, au mois d'août. Et puis, en plus, les jouer en janvier sur un terrain un peu difficile, on connaît, nous, Annie. Si j'ai pas de bêtises, ils étaient en Ligue des Champions l'année dernière. Alors, il y a une anecdote. Mais on les reçoit. On les reçoit. C'est les autres, je pense, qui doivent jouer sur Saint-Étienne. C'est Elfsborg. Ils doivent jouer sur Saint-Étienne. À Boras. On va nous en parler après. Alors, il y a une anecdote qui nous a été rappelée tout à l'heure pendant le tirage par notre Christopher Roux national. Ils avaient battu la Roma 6-1 à domicile en 2020-21 en Europa Conference League en phase de groupe chez eux. Mais bon, c'était une Roma bis. Ça n'a pas empêché la Roma de gagner après la Ligue Europa Conférence. Bon. Mais c'est leur plus beau... J'espère qu'on en prendra. Leur plus bel exploit. Bon. Et le dernier club à recevoir, c'est Twente. Les Néerlandais. Voilà, troisième la saison passée de Eurodivisie. Twente qui a été une seule fois champion, je crois, en 2010. Sur Twente, il n'y a pas vraiment de connu à part l'année dernière. Mais on les a déjà joués, non ? Il y avait Marion Boidou.
Non. À Bois-Doux, arrivé très chez nous. Ouais. Non, ouais. Il était Maillard. Ah, il était prêté. Il était prêté par l'AS Monaco à Twente. Il arrivait d'accord. Vitesse Arnhem, pardon. Ouais, Vitesse Arnhem. Vitesse Arnhem. Ouais, ouais. Non, dans Twente, et il y avait. Alors, les gars, j'ai juste vu là, bah, pareil, Christopher m'a lancé une petite. Anecdote. En fait, c'est lui qui a bossé. C'est lui qui a bossé, quoi. Mais lui, il cherche pas, il le sait tout de suite comme ça. Alors, c'est une bible. Une bible. Donc il y a quand même le capitaine qui a 35 ans, Ricky von Wolfsnick-Winkel. Ouais, nous, on a banqué à 40 ans, donc il connaissera bien. Qui a joué à Saint-Etienne en 2014. François Pâture doit le connaître. Ah, lui, il me parle par contre. Oui, von Wolfsnick-Winkel. Il touchera jamais le ballon, mais. Il est international néerlandais quand même. De sélection et d'accord. C'est le capitaine de l'équipe. Donc ça, c'est pour les équipes que l'on va recevoir. Les équipes pour lesquelles on va se déplacer de l'OGC Nice, l'Agiodrome. Oui, l'Agiodrome, on connaît. Bon. En ce moment, 9e de Serie A, il y a eu 2 matchs. Ouais. 2 anciens Marseillais dans cette équipe, Matteo Guendouzi et Nuno Tavares. Ah oui. Gigo qui vient d'arriver. Gigo qui vient d'arriver. Samuel Gigo qui a été transféré effectivement là-bas à l'Agio. Ouais. Et la l'Agio qui joue au Stadio Olimpico. Hein. Oui. Ah oui. Voilà. Bon, ça c'est le gros morceau. Et la revanche, il l'a dit Jean-Pierre Hiver. Gros morceau à l'extérieur. Ouais, t'avais perdu un match là-bas, effectivement 1-0 là. Dernière minute sur la pelouse du Stadio Olimpico. Donc ça c'est pour la Lazio. On a qui d'autre? Ferencváros, Budapest. Basé à Budapest, la Groupama Arena, 23 000 spectateurs, enfin capacité. C'est le grand club de Hongrie, 6 fois d'affilée champion de Hongrie. Ça pose un club déjà. Après, par contre, on connaît pas trop les joueurs les qui. Joueurs. Ouais. La plus grande valeur marchande, 6 millions d'euros. Le milieu Mohamed Aboufani. D'accord. Voilà. Et puis Monaco qui avait joué en Ligue Europa il y a 2 ans. Ça n'avait pas été si facile que ça. Ah non, ils avaient perdu au Louis II. Ils avaient fait match nul à Budapest. Ah, si je donc, me souviens bien. En fait, on va dire que c'est un collectif où il n'y a pas avec de Philippe star. Clément, tiens, justement. Avec Philippe Clément. Mais c'est très compliqué. Ça peut être compliqué. Mais par contre, ils se sont qualifiés de justesse au pénalty hier. Ça a été très dur contre un club bosnien. D'accord. Borac Lanja. L'Union Saint-Gilloise, club de la banlieue de Bruxelles. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'Union Saint-Gilloise, c'est qu'ils ont un stade qui n'est pas homologué par l'UEFA. 9000 places. Donc, ils jouent à... Donc, alors, ils jouaient à Anderlecht avant. Mmh. Et là, dans le stade d'Anderlecht à Bruxelles. Mmh. Et là, ils vont jouer au stade du Roi Baudouin. Donc ah oui, le stade grand stade de la sélection nationale. Ah, dommage, parce qu'ils ont vraiment ils ont un stade qui est... atypique. Ouais. C'est dommage. Je pense que c'est le genre de match où tu aimes faire les déplacements. Ah quoi. Ouais, putain, qui te rappelle un peu le stade du Ré. C'est ça. Ils ont un stade qui monte en arrondi et tout. Bon, dommage. Il est gigantesque le stade. Là, le Roi Baudouin, là, pour le remplir, c'est compliqué. Pour le remplir, c'est compliqué. Surtout que l'Union Saint-Gilloise ne remplit jamais son stade, a priori. En plus. C'est un peu compliqué. Donc ça risque. Il faut que les supporters niçois aillent au nombre. Parce que là, pour le coup, on va avoir des places. On va attendre que les Niçois. Et donc, Union Saint-Gilloise, deuxième du championnat belge la saison dernière, a terminé à 1 point du club Bruges. Mmh. Et ils avaient joué contre Toulouse en Ligue Europa. Ils étaient devant Anderlecht, donc ils ont fini devant Anderlecht, qui était aussi qualifié en Europa League. Exactement. Star de l'équipe, on va dire le défenseur central international japonais, Koki Mashida. Décidément. 10 millions d'euros. Non, mais les Japonais s'exportent très bien. Hein. C'est vraiment des bons joueurs. Et à l'Union, il y a Noah Sadiki qui avait été courtisé par l'OL. Qui Noah Sadiki. D'accord. Le transfert qui ne va pas se faire. Je ne pas. Voilà. Et le dernier club, donc, c'est Elfsborg. Elfsborg, donc, basé dans la ville de Borås, 113 000 habitants à peu c'est près. C'est très haut. En Suède. C'est très loin en Suède, sur la côte ouest, à environ 50 minutes en voiture de Göteborg. Ah, la capitale ou... Non, c'est Malmö, Göteborg, la capitale. Malmö, Suède, Stockholm. N'importe quoi. T'as marré de visiter ta géo, en fait. Stockholm. Mais bon, Göteborg est une grande ville, c'est à 50 minutes. Petite ville sympa, traversée par une rivière, très culturelle. Je pense que ça peut être un bon moment pour les supporters. Il faut y aller une semaine. J'ai presque envie d'y aller, celui-là. Mais tu vois, là, t'es sûr que t'as regardé pour le club ou pour la ville? Mais attends, c'est hyper important de mêler le foot à la culture. C'est toi qui vas y aller? Et non, il a mis... Budapest aussi. Rome, je connais. Il a mis une option, Will, sur des placements à Borås. Peut-être que je vais lui casser une jambe ou un truc. On verra. Il part 10 jours. C'est ça qu'ils savent pas encore. Et donc là-bas, le Gitanis va retrouver une vieille connaissance. Nous on le sait donc. Niklas Hult. Ah ouais. C'est 34 ans. Il joue encore. Il était titulaire hier. Il passerait bien le bonjour. Il était titulaire hier lors de la qualif contre Molde. 34 ans, toujours piston gauche ou arrière gauche.
Ah bah voilà, Nice, il cherche un piston. Et donc, et pour rappel, il a joué à Nice entre 2014 et 2016. Ah, et là, il m'avait marqué son premier but contre l'OM. Ça fait du plaisir. Sort de devoir, moi j'aime bien. Ouais, voilà. Pas mal. Super honorable. Mec. Ouais, ouais. Il était parti en Grèce. Super après. Mec en plus. Ouais, ouais. Bon mec. Hein. Ouais. On essaiera de l'interviewer avant. Ah bah oui. Ah bah oui. Il parlait français. Il parlait très bien anglais. Ah. Bon. Et donc stade de 16 000 places. 16 000. Et maintenant, en ce moment, il faut savoir, c'est ce que disait Alexis, que la Suède est en plein championnat encore. Là, ça fait 20e match joué, ils sont 5e. Vaut mieux les jouer donc en décembre ou en janvier plutôt que maintenant, effectivement, où ils sont en pleine bourre. On a bien travaillé, Mika, ou pas? Très bien. L'Europa League commencera la dernière semaine de septembre, pas en même temps que la Ligue des Champions, parce qu'on préfère du côté de l'UEFA qu'il y ait une semaine consacrée à la Ligue des Champions. Donc, ça sera mardi, mercredi, jeudi pour la première semaine, 14, 15, 16 septembre 17, de mémoire. Oui. Non, plus 15, que 17, ça. Plus que ça, parce que c'est 25, 26. Et après, donc, 25, 26 pour l'Europa League. Oui, donc une semaine avant, ça fait 18, 19. Ah, c'est peut-être ça. Alors, ouais. J'ai pas révisé du tout. Tu vas repasser ton bac. Hein. Aïe. Et Mika, le calendrier des matchs sera dévoilé ce samedi 13h. Il a dit ça. Je ne dis pas des conneries. Mais on est habillé. Là, on fait que te corriger, de toute façon. Vous allez prendre ma place, il y aura un poupouch. Oh, malheur. Jamais de la vie. Tu es trop bon. C'est bien gentil, tout cela. Même si c'est peut-être pas vrai. Allez, on passe à l'avant-match entre Angers et Nice. On a envie de dire déjà presque 3 points quasi obligatoires, oui, là, parce que là, il faudrait commencer à se réveiller. Attention d'Angers, si tu gagnes pas. C'est le titre. Non, mais bon. Bon, 0 points en 2 matchs, Angers. Promu encore. En début de championnat. Après, si tu fais le même match qu'à Auxerre, là, tu es sûr que tu vas pas gagner. Promu en début de championnat, c'est compliqué. Voilà. Parce qu'ils sont sur la dynamique. Ouais. La dynamique, ils font des préparations physiques pour le premier match de championnat, la première minute, où Nice fait une prépa pour fin septembre, octobre, novembre. Exactement. Donc, physiquement, ça va être très compliqué. Puis c'est souvent des groupes qui bougent peu. C'est des effectifs déjà très soudés. Moi, je les ai joués l'année dernière. Ouais. C'était déjà une belle équipe. Donc, il y a toujours Johnny devant. Il y a toujours Johnny parce qu'il a fait une très bonne saison l'année dernière. C'est lui qui marque le but de la montée. Ils ont un bon groupe. Très beau stade, Angers. Très beau stade, très belle pelouse. Donc il a été refait en plus. Il est tout neuf. Donc, c'est un bon match à jouer, mais attention, Angers à domicile. Les vacances scolaires sont finies, donc il y aura du monde au stade. Ça va être compliqué pour Nice. Un match compliqué. Et puis, de mauvais souvenirs pour Dante. Hein, donc, C'est là-bas qu'il. Il y a rejoué, je crois, depuis. Il y a rejoué. Ouais. Je me souviens, Leonardo Jardim, l'entraîneur de l'AS Monaco, qui nous disait tout le temps « Angers, bonne équipe !» Donc oui, mais il n'a pas tort, bonne équipe. On va écouter Francaise, lui c'est le coach de l'OGC Nice. Qu'est-ce qu'il pense de cette équipe d'Angers? C'est une équipe qui est comme nous, qui n'est pas à 100% encore, voilà, qui vient de monter, mais qui n'est pas à 100%. Pour autant, il y a des bons joueurs, ils ont réussi par séquence, que ce soit notamment contre Lens sur des moments du match à domicile, à poser des problèmes. Et ils avaient mis beaucoup d'engagement dès le début du match. Ils ont fait des choses un peu différentes entre leurs deux matchs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont fait des choses un peu différentes dans l'utilisation du ballon. Mais c'est voilà. Et puis il y a des joueurs de qualité aussi, comme dans tous les clubs de Ligue, hein, de toute façon. Ou à peine. Voilà, donc Francaise sur cette équipe d'Angers. On va tout de suite passer à la compo probable de l'OGC Nice face à Angers. C'est parti. Et puisque c'est Léandra qui se rendra à Angers, eh bien c'est Léandra qui va nous animer cette semaine, cette compo probable. Voilà pour toi. Léandra, on y va. Alors, dans les buts et derrière, dans les buts, il n'y aura pas grand-chose à dire. Derrière, peut-être. Oui, tu verras, Mika, pas trop de prise de risque sur cette compo qui va ressembler à celle de dimanche contre Toulouse. Donc, avec Boulka dans les cages. Mendy, Bombito, Dante, ça bouge pas non plus. Parce que Mohamed Abdelmonem, pour le moment, il va devoir s'habituer. Il ne peut pas encore débuter. Je pense que physiquement, il est prêt. Je pense que dans le plan de jeu, dans tout ça, dans l'adaptation, il n'est pas encore. Il aura encore besoin d'un peu de temps. Donc avec un milieu à 5, avec Klose piston droit. Alors, Boudaoui, Rosario, Ndombele,
dans l'entrejeu pour muscler, parce que je trouve que Rosario a joué son rôle quand même en homme d'équilibre et il a libéré un petit peu des tâches défensives Boudaoui et Ndombele, surtout Ndombele d'ailleurs, parce que là on l'a mis comme ça, mais c'est vrai qu'Ndombele il a eu tendance à, à basculer en numéro plus, 10 et à mettre la pression, voilà, à être un joueur un peu de pression sur, sur les ressorties de balles de la défense adverse, barre piston gauche, et puis devant toujours un duo chaud-guessant. On aurait pu aussi partir sur le 3-4-3 avec Moukoko qui aurait pu jouer parce que Franquès dit qu'il peut jouer sur tous les postes de l'attaque et notamment sur le côté gauche. Mais pour moi, c'est une compo qui a montré des progrès contre Toulouse et je vois pas pourquoi il changerait. On dit que, Alexis, on dit que Franquès est un adepte du 3-4-3. Il peut se remettre en question aussi et changer selon les matchs et selon son effectif. Oui, après, je pense que Franquès, le plus important, c'est sa défense à 3 et ses deux pistons. Après, il peut jouer à 2, à 3 devant. Ça, c'est pas le souci, on va dire. Mais c'est surtout sa défense à 3 et les deux pistons avec Barre et Klos qui sont très importants dans son système. Puisque même la saison dernière à Lens, c'était exactement un 3-4-2-1, avec deux intérieurs, pas des ailiers. Mmh. Alors qu'à Nice, ce serait plutôt des ailiers. Voilà. C'était souvent Fulgini, Thomasson. Ouais, mais avec le système A5, comme Klos et Barre, ils sont très très offensifs. T'as pas besoin d'ailier. Donc pour moi, même s'il passe à 3, ce sera des ailiers, mais très très axial pour aider être à derrière Evan pour tourner autour de Guessant. Et après, on aurait pu penser derrière aussi à Youssouf, par exemple. Mais on se dit que peut-être la prudence serait de mise, parce qu'après, il y a la trêve exactement, pour faire travailler Youssouf, pour continuer à faire travailler Jérémy Boga. La bonne nouvelle aussi, c'est le retour de Sofiane Diop, qui a participé aux échauffements avec l'équipe cette semaine et qui, normalement, reprend l'entraînement collectif à partir de la semaine prochaine. Tout comme le jeune Tom Louché aussi, hein, qui est en phase de reprise. Tout à fait. Donc, des bonnes nouvelles et le retour de force qui vont faire du bien pour la rotation. En plus, peut-être, donc, comme on vous en parlait tout à l'heure, on n'a pas reçu de nouvelles depuis le début de cette émission, de transfert, de choses comme ça, mais peut-être encore deux joueurs à ajouter dans cette rotation du côté de l'OGC Nice. On en saura un petit peu plus ce soir aux alentours de 23h, donc ce vendredi soir, si vous regardez l'émission aujourd'hui. Voilà donc pour cette compo probable et cet avant-match entre Angers et Nice. On va parler avec toi un peu plus. Enfin, allez. Alexis, allez, le souviens-toi d'Antoine, le souviens-toi. On y va avec Alexis. Ça, je suis sûr que tu t'es régalé à le préparer, se souviens-toi, Antoine. Bah, en fait, je me suis surtout régalé puisque c'est Alexis qui va bosser. Donc, moi, j'ai choisi les photos et après, Alexis va les commenter. Allez, bah, donc, on y va. On a choisi 8 photos de ton passage à l'OGC Nice. Okay. On va essayer de ne pas faire trop long. Hein, okay. Voilà. Ouais, de toute façon, il sera là pour... On va condenser tout cela. Faire le gendarme. Donc, alors, allez, on y va pour la première. Voilà, la première photo. Alors, ça te rappelle quoi, celle-là? Ça, c'est contre 3 après le match de Gambardes. Bah, bravo, gagné quart de finale. 3-1. Parce que je me rappelle, c'est vestiaire duré. Ouais. Donc, ouais, on a gagné 3-1. J'avais mis 2 buts, dont une Panenka devant la Sud. Et, ouais. C'est ça. Et la photo, c'est moi qui l'ai faite. Ok. Voilà, bon, pour l'occasion. 5 euros. Ouais, ouais, en quart de finale de Gambardella, on n'en voit pas toujours des photographes. Hein, ouais, non, j'avais fait les deux, hein, le texte et les photos. Donc, quel talent. Ouais, n'est-ce pas? Et donc, quart de finale de Gambardella, donc, qui a amené évidemment... Cette victoire. Cette victoire. Après, donc, on va voir la photo suivante. Voilà. Ah bah, c'est la finale au Stade de France avec Chris et Fab qui jouent contre ce week-end. Ah oui, VJB, Agar, ouais. Alors rappelle-nous pour ceux qui ne connaissent pas les joueurs. Fabien Dao Castellana qui joue à Grasse maintenant. Et qui joue à VJB. Qui était le capitaine de cette équipe. Qui joue à Saint-Jean, c'était le capitaine, Fab, donc qui joue à Saint-Jean en Beaulieu. Et Chris Hernandez qui joue en face à Ardive en N3. Voilà, donc, ils jouent un 3 l'un contre l'autre et Alexis au milieu. Et moi au milieu. Donc là, c'était juste après la finale. Juste après la finale. Où Alexis t'avais marqué. J'avais marqué le deuxième but. Donc vous avez battu Saint-Etienne. On avait battu Saint-Etienne 2-1. Ouais. Et j'avais marqué le premier but. Arthur Leblanc qui marque le premier. Ouais, de la tête. De la tête, ouais. Et c'était le Texier, l'arbitre. Accorde un but. Le premier est très limite. Je ne sais pas si elle est rentrée. Ouais. Bon, elle est rentrée, mais ouais, c'était.
Ah, c'est des, c'est des premiers frissons de, ouais, de joueurs de football. Le, ouais, dernier, le dernier titre de l'OGC Nice. Hein. C'est vrai. C'est vrai. C'était encore ta photo? Non. Oui, c'était ma photo. Là. Ah, la mienne. J'étais au Stade de France ce jour-là. C'était la mienne. Évidemment, avec bon, tous ces joueurs n'ont pas percé, mais toi, tu fais partie de ceux qui ont percé. Là, il y a qui? Il y a Mouez, il y a Nil, il y a Lille, Mavi, Lucas Rougeau qui a joué en Belgique. Il y avait Fofana aussi. Hein, Fofana qui a un peu joué à Nice, qui s'est fait les croisés, après ça a été compliqué. Ouais. Mais bon, premier grand souvenir premier de grand joueur. Souvenir, ouais. Très grand souvenir pour moi. Voilà, sûrement le plus beau. Ouais, voilà ce que je voulais demander. C'est moi, le plus beau de tes souvenirs, ouais, à l'OGC Nice. Plus que le titre avec le U19 avec l'équipe de France. Ouais, ouais, bien plus, parce que bah, déjà j'ai joué tous les matchs là. Avec l'équipe de France, j'ai un peu moins joué. Mais moi, Nice. Même quand j'allais en équipe de France, c'était pas pareil. Pour moi, Nice, c'est mieux que l'équipe de France. T'as une photo là-dessus ou pas? Parce que c'est comme ça que je lui en touche non, un mot. Non, alors, juste un mot sur cette finale des U19 où tu rentres en jeu et ça se finit au tir au but. En U20, ouais. Et là, le coach, il a eu peur que tu fasses une panenka. Je pense que le coach, il a eu peur de que je fasse une dinguerie. Donc, et du coup, il m'a ressorti deux minutes avant la fin pour pas que je tire le penalty. Je me souviens, j'étais en stage avec l'AS Monaco, j'avais vu ce match, j'étais mort de rire. Ouais, je rentre à la 60e, mais du coup, je sors à la 118, je crois, 119. Il s'est dit Alexis. Il s'est dit... Il va faire un truc, donc... Et je me souviens, t'avais le drapeau de Nice sur le moment de la Du coup, c'est la photo qui sort tout le temps, donc je suis très content. Ça m'avait valu de plus être sélectionné derrière, parce que Willy Sagnol, il avait mal pris cette photo avec les espoirs, donc j'ai plus été sélectionné. Et quand on a changé de sélectionneur et qu'ils ont pris Pierre Mankowski en espoir, je suis retourné du coup en espoir. Bon. Voilà. C'est pour la petite anecdote avec CU19. Alors, photo suivante. Voilà. Alors, là, dis-nous qu'est-ce que... Ça, c'est quand j'ai signé pro. Ton premier contrat pro. Mon premier contrat pro. Je rentrais des qualifs de l'Euro. Il y en a un des deux qui n'a pas changé. Je dirais pas lequel. Donc, c'était mon premier, mon premier contrat pro à Nice. Et t'avais signé combien de temps, ton premier J'avais contrat? J'avais signé 3 ans. 3 ans. Mais et j'avais là, fait que 2 ans et j'avais prolongé. Au bout de 2 ans, j'avais prolongé. Oui, t'avais reprolongé un petit peu. J'avais reprolongé 3 ans. C'est un grand souvenir, ça, cette première signature. Parce que c'est comme un aboutissement un peu. Bah, pour moi, c'était fou parce que tu m'as dit de faire court, mais cette année-là, j'ai failli arrêter le foot parce que j'étais un des seuls 93 à pas avoir repris avec les pros. Je jouais en 19, je jouais même avec la réserve pas avec la réserve, non, je jouais pas trop avec la réserve, donc c'était compliqué parce que je pensais que je reprendrais avec les pros. Et en fin mai, on m'a dit que je reprendrais pas avec les pros, donc je l'avais un peu mauvaise. Et au final, à partir de novembre, j'ai commencé à m'entraîner avec les pros et j'ai repris avec les pros à Noël. Et j'ai quasiment plus joué pendant les 6 derniers mois, je faisais que la gambardella et des bancs en pro. Et au final, on gagne la gambarde et je signe pro. Donc, il faut dire que la gambardella, quand même, t'avais sacrément assuré. Ça m'a sacrément aidé. T'étais meilleur buteur. Et même après la gambarde, je reçois la convocation pour l'équipe de France, donc ma première. Et puis la gambardella aussi, tu fais ton premier banc à Lyon, non? Tu joues à Lyon. Je fais mon premier banc en Coupe de France à Calais contre Marc Cambareux. Et tu rentres à Lyon le dernier match. Je rentre à Lyon le dernier match quand on gagne 4-3. Avec le fameux but de... Ismaël Goncalves. Le but contre son camp d'Hugo Lloris aussi. Ouais. Mais ouais, on se sauve 4-3 à Lyon et c'est René qui me fait rentrer. Tu fais rentrer ton premier match en Ligue 1. Qui me fait rentrer en 2012. Ouais. Alors là, la photo suivante, on va voir. Alors qu'est-ce que c'est celui-là? Là, je viens de mettre un piqué à Nancy au Stade du Ré en Coupe de France. Voilà. C'est mon seul but au Ré en pro. C'est pour ça qu'on l'a sorti. Malheureusement, il n'y avait personne au stade. Ouais. Alors, il y avait que 3000 personnes. C'est Nil qui est derrière toi, je crois que c'est ça. Ouais, c'est Nil. Il n'y avait que 3000 personnes ce jour-là parce que les supporters avaient fait la grève. Parce que Bossette jouait. Voilà. Exactement. C'était pour l'heure du match ne convenait pas. Ah, déjà ouais, à l'époque. Déjà à l'époque. Y a des mouvements. Donc, ça, c'était en 2012-2013. Donc, on a sorti cette photo parce que c'est le seul but d'Alexis Auré. Voilà, c'était en Coupe alors de France. Alors, c'était ton jardin, le stade du Ré. Et donc ça a fait 2-2 et Nice perd au tir au but en 16e de finale. Landreau, pour mon premier match titulaire à Nice, qui m'enlève un truc, j'en fais encore des cauchemars. C'est vrai. Donc c'est ton seul but au Ré, malheureusement il n'y avait personne, mais bon. Voilà. Donc la photo suivante.
On va voir. Alors ça, par contre, il y avait du monde. Voilà. Là, il y avait du monde. Hein. C'est, bah, c'est à l'inauguration à l'Allianz où je marque le quatrième but contre Valenciennes. Et voilà. Et là, on te sent ailleurs. Là, on me sent content, là. Ouais. Là, t'es ailleurs. Ou content, constipé. Je me rappelle même plus. Je crois que quand je fais la pointe, j'ai un trou noir derrière. Je sais plus, plus ce qui se passe carrément. C'est un truc de fou. Est-ce que t'as conscience que là, tu rentres un peu dans l'histoire du. Bah, c'est le match. Ouais, quoi. J'aurais préféré marquer le match d'avant. Mmh. Le dernier but. Que Dario a marqué. Mais non, c'est Eric. Dario, c'est le premier but. Eric qui marque un coup franc, je crois. Ouais. Eric qui marque un coup franc. Claudia Jack qui marque le premier et Eric le deuxième. Je marque le quatrième à l'inauguration. Tu viens d'entrer là. Juste avant Patrick Bruel. C'est ça. C'était mon premier but en Ligue 1. Ouais. J'avais jamais marqué en Ligue 1. Bon, voilà, c'était plein. Tu te doutes bien qu'il y avait toute ma famille à l'Allianz, tous mes amis. Donc, c'était énorme. Il y a la Gambardella, il y a ce moment-là. Bah c'est sûr. Après, c'est pas un but qui a compté parce que c'est le quatrième. Oui. Mais émotionnellement. Mais pour moi, émotionnellement et en termes d'image et d'histoire du club, oui. Ouais, il reste dans l'histoire. C'est le premier match à la Ligue. 15 buts marqués en 89 apparitions sous le maillot rouge et noir pour Alexis Bozzetti. Alors, photo suivante, c'est le même match. Mais voilà, donc. Ton rapport avec Claude j'imagine. Ouais. Très bon au début. Après. Un peu plus compliqué sur la fin, mais aussi de moi, j'étais un peu trop impatient, un peu trop jeune aussi. Fougueux. Voilà, j'étais impatient de jouer trop tôt. Mmh. Mais non, on s'est vu pour les 120 ans, super bien passé. Non, j'ai des très bons rapports avec le coach Puel, parce que finalement, c'est le seul qui m'a fait jouer en Ligue 1. Ouais. Donc. C'est qui le meilleur entraîneur pour toi que tu as eu? Coach Puel. Puel, après, il y a eu Manu Pires au centre de formation avec Guy Mingol, où c'était une autre relation. Mais après, bien sûr, c'est Puel et les 3 ans que j'ai fait avec lui qui ont le plus compté, c'est évident. Mmh. On te voyait bras-dessous avec Eric Botea, qui était ton pote. Ton pote aussi, notre ami chypriote, maintenant. Après, on va voir la photo suivante. Alors voilà. Ah, alors ça, on va parler de l'Alexis Chambreur. Alors déjà avant. Et Chambreur à gauche. En préambule, donc ça c'est une photo, une photo qui date d'août 2014. Anthony marque le premier but contre Bordeaux, un but superbe d'ailleurs qu'on n'a pas, mais un petit piqué en louche de l'extérieur. Je mets un extérieur du pied à Carasso sur une récupération. Ouais, si on récupère le ballon côté droit, la médiane. Et en fait, je pense que Carasso est trompé par mon contrôle bout de pied. Il pense pas que je vais l'avoir. Du coup, je sais pas pourquoi, il se décale de la cage. Mm. Et au moment où je lève la tête, je vois qu'il y a personne dans la cage. Du coup, je fais l'extérieur pied droit. Ouais. Et bon, devant le parcage de Bordeaux et tout. J'avais déjà marqué l'année d'avant là-bas, à Chaban-Delmas. Donc là, bah, c'était l'occasion. Donc c'est un but en plus qui a été nominé. Ouais, j'ai fait 5e plus beau but de Ligue 1. J'étais allé d'ailleurs. Et Carlos Eduardo, du fait qu'il y ait deux Niçois dans le coup, ça m'a pas aidé. Mais... Ouais. Et alors, raconte-nous les petites oreilles. Alors, les oreilles de lapin. C'est la légende qui dit que les Niçois avaient fait courir les Bordelais à Nice. C'est parti comme des lapins. Évidemment, on te connaît comme joueur de football, mais on sait aussi ton attachement pour la Populaire Sud, pour la Brigade Sud, et les matchs que tu as suivis auprès d'eux. Ça t'a valu, au cours de ta carrière, quand même, parfois, quelques, on va dire, inimitiés, ennuis avec les supporters adverses, avec les joueurs adverses. Des contrats. Ouais. Des contrats aussi, Des contrats. C'est sûr, après... Tu regrettes pas, ça, de l'avoir joué de cette façon-là? Non, je regrette pas, non, pas du tout. Pas du tout. Mon regret, c'est d'être parti de Nice à Tours, où ça s'est mal passé, où j'ai déprimé. Je pensais pas que ça se passerait de cette façon-là. Donc voilà, si j'ai un regret, c'est celui-là, c'est d'être parti d'ici. Le reste, pas du tout. Mais voilà, ça fait partie de mon histoire et c'est comme ça. Il y a une phrase qui est restée. Et tu étais dans le coup, évidemment. C'est la fameuse phrase du remplaçant. C'est une histoire qui est restée dans le football. Ça, avec Bastia. Avec Bastia et Jean-Louis Lucas. C'est vrai que c'est quelque chose qui est resté. Et aujourd'hui, donc tu dis, toi, ça t'a valu de ne pas signer quelques contrats. Ou, par exemple, tu peux nous le dire aujourd'hui? Il y a eu Nantes. Là, dernièrement, il y a eu des petites approches de Bordeaux ou de la SCAN.
Mais voilà, non, c'est... Même en ayant mûri aujourd'hui, tu pourrais pas jouer dans ces clubs-là. Je pourrais pas quand même, non. Ouais. C'est comme ça. De toute façon, il a Nice dans la peau. Hein. Non, ouais, puis ça, même oui. Vis-à-vis de moi-même, je me verrais pas signer dans des clubs rivaux de Nice. Alors, il y a une dernière photo. Je crois que c'est la dernière. Ouais, voilà. Alors, c'est mon dernier match à Nice. Voilà. Mon dernier but, du coup. Voilà, contre Krasnodar. Voilà, en Coupe d'Europe. C'est quasiment, je crois, le seul match que tu as joué de la saison. C'est le seul. Je suis rentré 15 minutes à Lorient en Coupe de France en janvier. Et j'ai joué une mi-temps contre Krasnodar. Contre Krasnodar, donc c'est mon dernier match à l'Alliance où tu marques une panenka. Et alors qu'en plus le penalty a été retiré. Donc je l'ai célébré deux fois. Du coup, pour moi, c'est comme si j'avais mis un doublé. J'avais mis un beau penalty le premier, mais il y a Donis qui était rentré sur le terrain. Je soupçonne d'un. Non, fait exprès. Ah, je rigole, mais ouais, je l'avais bien tiré et sur la deuxième, je savais plus trop quoi faire. Donc j'ai dit, bon, de toute façon, tu joues pas. Tu risques rien. Donc voilà, j'ai dit... C'était devant la Populaire Sud, là ? C'était devant la Populaire Sud, devant mes amis. Donc j'étais content, je l'ai fait. Panenka. J'ai fait une petite panenka, elle est très très bien passée, j'ai très très bien faite. Voilà. Et c'est mon dernier but, mon dernier match à l'Alliance, donc voilà. Et si tu avais un souvenir à garder de tout ça, est-ce que c'est même un qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce que ça serait ? Un seul, c'est compliqué. Après, il y en a plusieurs. Nice, on a... Ma première année, on joue la Coupe d'Europe, alors que moi, j'avais jamais. Je suis dans 93, j'avais jamais vu Nice en Coupe d'Europe. Donc, c'est ma première année en pro et on part en Coupe d'Europe. Après, j'ai un gros regret sur Limassol. Où voilà, j'aurais rêvé marquer le but qui nous qualifie ce jour-là. Voilà, non, après des souvenirs, j'ai mon but au Vélodrome, En Coupe de la Ligue. La victoire, la France, calif, en 5-4, avec des buts de Lille. Presque des minots, quoi. Ouais. On est jeune, Abriel, au repas à midi, il se met à table, il dit, putain, mais c'est la Gambardella qui est venue jouer. On pensait pas faire un match comme ça, et au final, on leur en met 5 au Vélodrome. Donc et de Grégoire Pune. Oui. Contré. Je m'assure. Plus un but de Soulé Diawara. Oui, c'est Diawara qui marque. Mais on va lui accorder avec plaisir. J'adore Grégoire. Mais c'est pas fini, Alexis, parce que si tu es là aussi, c'est pour nous dire que voilà, tu attends des propositions. Ouais, je discute avec un club de national. Voilà, c'est un peu compliqué ce mercato. J'ai eu une dernière saison un peu compliquée. Après voilà, j'arrive de Ligue 2 en national. Je pense que j'ai montré mes qualités, j'ai montré ce que j'étais capable de faire dans ce championnat avec Annecy où on est monté. Donc voilà, c'est les derniers jours du mercato aujourd'hui. J'attends quelque chose du national. J'attends un club aujourd'hui ou une réponse d'un club, donc voilà, j'espère que ça va aboutir. Maintenant, j'ai un accord avec Imperia en Italie, où le championnat commence le 8, où je leur ai donné ma parole pour lundi. Donc voilà, y a aussi un projet qui peut être intéressant là-bas. Série D, donc voilà. Si lundi, t'as pas de club... Si d'ici lundi, j'ai pas de nouvelles de la France ou d'ailleurs, je signerai là-bas ou voilà, cette année, comme c'est une série D, c'est assez amateur, donc j'habiterai à Nice et je ferai les allers-retours. Mais voilà, on verra s'il y aurait une montée au bout, ce qui serait très intéressant pour Imperia. Mais voilà, je privilégie quand même encore la France sur les quelques jours qui restent. C'est 31 ans, Alexis Bozetti, il faut le rappeler. C'est dingue, hein, parce que c'est pas parce que c'est la bossette, mais 31 ans et buteur, et rien à dire. Il a ça dans le sang. Et quand tu vois les clubs en national aujourd'hui, où on parle justement des clubs, ils n'ont plus de moyens, le football français et tout, qu'un joueur comme ça n'ait pas de club, moi je pense que franchement c'est triste. Tu crois que ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut... ta réputation entre guillemets oui, il y a des clubs qui sont freinés. Après je pense que dans tous les clubs que j'ai fait, je suis jamais parti en mauvais terme, ça s'est jamais mal passé, que je sois allé aux États-Unis, que je sois allé en Norvège, même où ça s'est mal passé, à Tours où footballistiquement ça s'est mal passé aussi, mais humainement c'est très bien passé. À Annecy, je pense que vous appelez tout le monde à Annecy, tout le monde est content de moi, ça s'est très très bien passé. À Laval, tu fais deux saisons. On est parti en très bon terme. À Laval, je fais,
je fais des bonnes saisons. Non, en national, je vais pas dire, je vais pas m'enflammer. J'ai fait deux saisons pleines en national. J'ai fait cinquième avec Laval et j'ai fait une montée avec Annecy. Donc voilà, en national, j'ai 31 ans. Si j'avais 36, 37 ans, je pourrais le comprendre. J'ai 31 ans, je suis en pleine forme. Donc voilà, ça serait dommage de quitter le circuit français à 31 ans et de partir en Italie. Parce que si je pars en Italie, il y a très peu de chances que je revienne. On va t'oublier un petit peu peut-être en France aussi. Oui, et puis même moi, je pense qu'il y aura aussi d'autres opportunités. Ouais. Et voilà, si je vais en série D, ce sera une autre voie pour moi après. Ouais, c'est un peu une fausse image aussi, c'est vrai que sur Alexis, on se pose toujours la question. Oui, tous les gens qui me connaissent, tout ça. Alors qu'avec le vécu qu'il a. C'est un gentil comme toi, Alexis, on sait très bien. S'il y avait des problèmes dans les vestiaires, ça serait sûr, tu vois. Évidemment. Et puis, je pense qu'au contraire, c'est une plus-value de fou, je pense, dans un vestiaire national où un garçon qui a connu les trois plus grandes divisions françaises. Il peut que apporter un plus. Et je voulais aussi reparler d'un truc, c'est que dimanche, quand il est venu voir Nice-Toulouse, il n'était pas qu'en simple spectateur, Alexis. Moi, je suis allé au club 1904, donc c'est un nouveau nouvelle rubrique, on va dire, du club qui font sur le parvis derrière. Ils font ça à chaque match. Ils font pour les 120 ans. Pour les 120 ans, donc voilà, ce sera sur toute la saison, où c'est beaucoup, beaucoup sur l'histoire du club. J'ai été invité avec les petits-enfants des deux créateurs du club. Des fondateurs. Des deux fondateurs du club. Donc, c'était, pour moi, c'était un honneur d'être là. Et voilà, toute l'année, ce sera ça. Contre Saint-Étienne, il y aura une présentation de maillots historiques avec des joueurs qui les ont portés aussi. Donc, non, c'est un truc assez sympa. Et voilà, donc allez-y avant le match. Et contre Saint-Etienne, il y aura du monde aussi. Donc, parce que Saint-Etienne, ça sera un beau match. Le match des 120 ans. Mmh. Voilà, ce sera celui-là. Il y aura les animations. Où il y a toutes les festivités pour les 120 ans. Ce sera Nice-Saint-Etienne. Donc on espère un guichet fermé. Bon, et une fois évidemment ta carrière terminée, ce que l'on souhaite le plus tard possible, mais revenir jouer un petit rôle ici à l'OGC Nice, ça serait évidemment rêvé. C'est tout le mal que je me souhaite. Hein. c'est sûr. On verra. Auprès des jeunes déjà, par exemple. On verra auprès des jeunes, auprès des attaquants, auprès de... Voilà, moi, mon métier, c'est joueur offensif et surtout marquer des buts. Donc, je pense que je peux aider déjà les jeunes et aussi les pros parce que je pense que j'ai rien à envier aux pros dans la surface. Mais après... Après voilà, c'est un peu compliqué en dehors de la surface, mais je pense que dans la surface, ça fait mouche. J'ai rien à leur envier. Mmh. Bon. C'est ce que disait d'ailleurs Claude Puel. Il disait Alexis qu'il avait marqué chez Alexis et qu'un ballon dans la surface, ça faisait but. Ouais, après tu feras pas entraîneur de 100 mètres, ça c'est sûr. Je ferai pas entraîneur de 100 mètres, pas entraîneur de jeu de tête. Qui est plus rapide entre toi et Dante? Je pense que Dante est encore plus rapide. Ça se tape. Il faudrait qu'on organise ça un petit 100 mètres entre les deux. Je vais pas mettre des bâtons dans les roues. Pour ses 41 ans, on va faire une course. Bon, en tous les cas, c'était super de t'avoir sur ce plateau. Non, merci Alexis, à vous. On te souhaite le meilleur, évidemment, trouver ce club en national qui te conviendrait tant. On surveillera tout ça, hein, évidemment, Will, de ce qui va se passer pour Alexis. Et puis, si tu restes dans le coin, si tu restes du côté d'Imperia, eh bien, le plateau, t'es évidemment ouvert pour venir nous parler de tout ça. Léandra, Will, Antoine, merci beaucoup. Merci avec nous. On a été très long mais exhaustif. On a tout dit dans cette émission, mis à part donc les peut-être transferts qui vont arriver dans les heures qui viennent. Fais un bonus tout à l'heure. De l'OGC Nice, voilà. Ouais, peut-être en direct de chez toi en live. Vous suivrez, un petit teasing pour mon autre crèmerie. Vous suivrez l'équipe du soir, l'équipe de Greg, pour savoir s'il y a des transferts du côté de l'OGC Nice. Je vous dirai tout ça. Voilà, donc on remercie Chloé Borgard, Sophie Doncet et Philippe Bertigny à préparation à la réalisation de cette émission. Passez une bonne fin de semaine et on se retrouve très vite. À bientôt, bye bye.